Gloire à Dieu. L'homme de Dieu qui est déjà dans nos murs, il devait sortir de la loge et faire le grand tour pour entrer par derrière toute l'assistance. Voilà le petit désagrément qui a fait que nous ne puissions pas le voir entrer dans la salle. Est-ce que je peux me rassurer que l'homme de Dieu est déjà là? Gloire à Dieu. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois en vos titres et qualités respectifs, si nous pouvons nous lever pour honorer l'onction, le ministère, la vie et célébrer l'homme que Dieu, à qui Dieu a confié la vision de la fête de la parole. Ce soir, j'ai cité le révérend docteur Louva Ekaola Iseifoli, le représentant légal des églises, la Bible ouverte à travers le monde. Lorsqu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Nous célébrons la vie et l'onction de cet homme de Dieu, un homme merveilleux. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup d'honorer cette onction. Merci beaucoup d'honorer cette onction, d'honorer cet homme excellent, le révérend docteur Louva Ekaola Iseifoli. Il est là. C'est à travers lui que Dieu nous a rassemblés ce soir dans cette grande fête de la célébration de la parole. Alors nous continuons avec notre bien-aimé, le frère Michel Makenda. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Olotika na yembela yo, amen. Nasopa mote manangai, amen. Ayemba na ngwende na yo, amen. Yeso yo, alléluia, amen. Olona lola yo bongwanite, amen. Bana biso yo zali nzambe, amen. Elonga na ngai, amen. Yeso yo, alléluia. Libakuma la mwa bomoi nangai, amen. Ezaliyo mwana na nzambe, amen. Zamba koyemba ye, amen. Elombe, alléluia, amen. Nazalaki ya kokwea ye, amen. Yonde otele misingai, amen. Zamba koyemba ye, amen. Yeso yo, alléluia, Yawe mokota ya kepai na yo, amen. Omazonga maboko pamba ye, wana del jameo, amen. Yeso yo, alléluia, o mosantu mosantu na yembeli yo, amen. Olo na lola yo bongwani tse yo, amen. Zamba koyemba ye, amen. Yeso yo, alléluia, ngayo yo nazanga tababoti na ngai, amen. Asi yote masia na ngayo yo, amen. Elonga na ngai, amen. Yeso yo, alléluia, ngayo yo nazanga tabambongo lelo, amen. Asi yote masia na ngayo yo, amen. Elonga na ngai, amen. Yeso yo, alléluia, yemba yemba ile vivant o Jésus. Hallelujah.
Alléluia, amen. Biso tokumisa masia. Alléluia, alléluia, amen. Lokumo pona Yesu. Alléluia, alléluia, amen. Lokumo pona Yesu. Alléluia. Si depuis que tu es là ce soir, tu n'as pas encore souhaité une bienvenue à la fête de la parole à ton voisin de gauche et de droite qui est à tes côtés, fais-le maintenant. Souhaite-lui une bienvenue à la fête de la parole. Gloire à Dieu. Souhaite ton voisin de gauche et de droite la bienvenue à la fête de la parole. Gloire au Seigneur. Nous continuons notre programme. Et à présent, nous allons recevoir un homme merveilleux qui a un petit mot à nous adresser et nous allons le découvrir lorsqu'il va approcher, lorsque je fais venir l'homme de Dieu, le prophète
Le prophète Paul Kabengele, lorsqu'il approche, nous acclamons le Seigneur. Le prophète. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Un homme excellent, un homme de Dieu. Très excellent, qui a un mot à nous communiquer ce soir. Merci. Que Dieu soit loué. Hey, que Dieu soit loué. Ah, tant que vous êtes français, et ça, la rapace. Nous avons besoin de vous. Témoin à la Bible ouverte à Zawa. Moi, je suis en Zawa. Bon, tu es quoi adoré? Bon, hein? Avant que je dise ce que je dois dire, il y a une chose qui m'a toujours touché. C'est que devant le trône de grâce, on doit adorer. Ma pianiste, ma kewapi. Tome la ki akati amoli tala yesu aye apole na ye obali angu ya otema malam ata mwana mobola yesu abwaka kayete haboko lingai asuki wanate apesiti bomoi na ye ponanga na koma kolinga ye na koma kolinga ye pene na kufa na koma kolinga ye. Tala Yesu antimi questa le angoka tinanga e bilo kwa motuya hoyo mokile sako bundela Yesu antimi kotango katina yo e bilo kwa motuya batoba kote la baloge Yesu antimi Otango katiranga S'il vous plaît na zavaze de terre Na panza na kapamba pamba Mais antimi risque Il a investi à moi Afongolise la ye Ala kisinga yango Ame asuki wanate Ye moko azota kwisangai Na koma kolanda ye Na koma kolanda ye Bisika nyoso So keep on going, I'm a
Merci. 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 Je veux que nous lisons deux textes de la Bible. Le premier texte, c'est Sophonie. J'étais en train de dire Sophonie chapitre 3, verset 10. Sophonie 3, 10, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs dispersés m'apporteront des offrandes. Deuxième texte, Genèse 22. Genèse 22, nous lisons le verset 14. Verset 12, pour ne pas prendre beaucoup de temps. L'ange dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au fait, nous sommes ici pour offrir à Dieu. Mais je vais dire une chose à quelqu'un. Si tu refuses de le faire, en un mot, tu te classes sur la liste de deux personnes les plus personnes. Le Seigneur dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. En d'autres termes, le fleuve et l'Éthiopie, ce sont les tribus. D'abord, je vais parler de l'Éthiopie. Sur l'Éthiopie, Dieu dit à Israël que je donne l'Éthiopie à ta place. Amen. Pourquoi? Parce que les Éthiopiens et ceux de l'au-delà du fleuve, on a parlé du chapitre 23. Ce sont le peuple des gentils, le peuple des nations qui n'avaient pas part à la grâce. Amen. Mais étant donné que l'olenge pesamiete, un prix a été payé, motuya moko pesamaki, à cause de ce prix, pona motuya wana, les peuples qui étaient sacrifiés à la place d'Israël sont maintenant héritiers de la grâce pendant qu'Israël est retenu dans l'aveuglement. Libota moko pesamaki nesika Israël bango ba pesami po Israël ezana esika moko songolo. Que Dieu vous bénisse. L'Israël a été frappé d'aveuglement pour que nous, qui avions été destinés à être sacrifiés à la place d'Israël, nous puissions hériter maintenant la grâce avec Israël. Israël. À qui une grâce a été faite? Mes adorateurs m'apporteront des offrandes. C'est-à-dire, ne pas apporter des offrandes ce soir, te classe sur la liste de ceux qui réunissent la grâce de Dieu. Et amen. Ce que vous reconnaître que oh yo zaya ma kasinoti. Yes. Hein? Amen. Mes angolou. Yes. Et tu dois faire quelque chose. Et Seigneur c'est le komoko. Ça c'est un des deux. Yami balé. Ne pas donner les offrandes. Kobo ya kopé sa makabo. C'est comme pour dire. Et ça le kola koloba. Je ne suis pas un adorateur. Ngai na zali mogumba melité. Attention. Keba. Psaume 156 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel, même le cancrela peut louer. Mais les adorateurs, ce sont ceux-là que les pères demandent. Ah, kasi psaume 150 dali koloba. Batonyo smali ko pe ma esengla babe ba kokumi sans zambe. Kasi ko pesa makabo, c'est kaka pona bagumba de adorateurs.
Maintenant, Dieu a besoin des offrandes des adorateurs. Est-ce qu'un adorateur est là? Je peux l'entendre par un amen bien. Deuxième point, je veux achever mon message. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Ponanini. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils Tonini. Et ça lui porte au pire. Abraham a commencé à marcher avec Dieu depuis le chapitre 12, mais c'est au chapitre 22 que Dieu reconnaît qu'il les craint. Pourquoi? Parce qu'il l'a libéré son Isaac. Abraham a bandé côté mon ensemble dans chapitre 12. Car si dans chapitre 22, Zamba le bine bongo pote, Abraham a pesé qui dans Zambé mon analikina. En d'autres termes, refuser à Dieu ce que tu y as, ça signifie que tu ne les crains pas. Ah, comment y a copé sans Zambé au Yosa n'angwe l'ikoloba que Yobanga ka été? Tu es de quelle liste? Osa na mulonga batunin. Est-ce que tu reconnais que tu crains Dieu? Ici là, il n'est pas question de je suis ministre de Dieu, pasteur, docteur, prophète, non. 50 ans de ministère, non. Dieu a besoin de 3 personnes. Ceux qui les craignent, ceux qui l'adorent, et ceux qui reconnaissent sa grâce. Papa Mike avait chanté dans tout ce qu'il a chanté, il a chanté Momori Markanga. Et Markakanga. Je m'arrête par là. Finis mon intervention. Et si nous voulons donner à Dieu. Papa, Kevandana. Merci. Intervention d'Angesi. Nazan a besoin à moi Nanzambe Moko. Moussali Nanzambe Moko. Oyo Ayebike 1. Abanga Kanzambe. 2. Azo reconnaître que Oya Zali za grâce. 3. Aza adorateur, Asimba juste une offrande de $500 à $200. Aya obonze l'anzambe. Téléma un peu rapidement. $500, $400, $300, $200. Téléma un peu rapidement. Nazana posa na yo, naba panye o ezali boso ao. Peut-être yangonde yende Isaac ozana ye. Ça dit. Refuser à Dieu ton Isaac, c'est dire en d'autres termes, Nabanga Kananga Nzambe te. Parce que les losoko se retrouvaient kozana $500 na poche na yo. Pendant que Zana batumusu bazola le la loso. Et lingyo lobate ke o leki batu bazola le la loso. Mais c'est une grâce. Sikoyo, reconnaissance na yo liboso ya oya sali yongo luana. Est-ce que tu peux t'élever? De $500 à $200. Bien aimé, Moutoua Robert et Lopé Maboko Azate. Mais Lola et mon amotema na yo. Sala yango na motema. Eza na batouba koti ba hôpito. Bien aimé dans le Seigneur, oxygène, écoutez au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oxygène, écoutez au-delà. Intervention chirurgicale, écoutez au-delà. Mais moutoua zope sope maya ofele. Pourquoi les lotos ali devant la parole de Dieu? La parole qui a dit que la lumière soit. La parole qui a fait de toi un être vivant. La parole qui a fait de toi ce que tu es. Bien aimé, pendant que Zana Batomsou va vivre décision à Bandoki, yozo vivre décision à Nzam. Nzamba lobi lelo zwambongo zui. Nzamba lobi akufate. Babundina yoti okufi pete. Mais non, c'est le temps de prouver à Dieu que tu le crains. Le $200 ne représente rien. Les $500 ne représentent rien. Liboso mon pesi apem. C'est pourquoi j'ai aimé. Nzembota nazako yembango, ça m'a dit beaucoup de choses. Biloko a motuya. O batuba kufe la kabatuba kote la baloge. Mais Yesu andimi ko tiango katinayo. Il connaît bien tes erreurs, mais à tenir compte nangote. Il connaît bien tes fautes, mais à tenir compte nangote. A salio bolam. Tu t'es retrouvé que na poche nayo, tu as la capacité d'avoir $500. Tu as la capacité d'avoir $200. Autocto dépense à Kanaba anniversaire.
C'est le temps maintenant que tu dépenses pour le Seigneur. Je ne te donne pas parce que tu manques, mais je te donne pour te prouver que et moi et tout ce qui est à moi, je t'appartiens. Je parle à quelqu'un. Peut-être tu n'as pas 200 $, mais tu peux avoir 100 $. Lève-toi. 100 $. Nana posa moi na nzambe moko a marqué moté manzambe parce que basizi ya boye eko eyaka mbalami bali mbalami satu na mbula te. N'attends pas demain ou n'attends pas après demain. 100 $ telema yaka. Et puis kozelate baloba soki ndenge nini te na pokwa ya lelo. Nzamba koko sangisa biso awate azanga ya kosalela yo. Nzamba koko sangisa biso awate azanga ya kopesa yo. Et puis je vais vous dire une vérité. Mutu moko aloba nanu amena ya munene. Nayo kite amena ya mulayi. Lorsque Jésus disait à la femme samaritaine de lui donner de l'eau, est-ce que réellement il en avait besoin? Hein? Mais le problème c'est quoi? Derrière celui qui demandait, s'est caché celui qui avait de l'eau vive à donner à cette femme. Attention, lorsque tu vois le Seigneur s'approcher de toi et te dire, donne-moi, ça signifie qu'il t'a apporté quelque chose. Mais pourquoi il te demande? C'est parce qu'il veut voir l'état de ton cœur. Parce qu'il faut voir le moro. Tout ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour nous-mêmes. Il nous donne aussi pour les autres. Maintenant, le Seigneur veut voir si ce que tu es incapable de les libérer. Mais si ce qu'il va t'ajouter, est-ce que tu les libéreras? C'est pourquoi Dieu n'évolue pas avec les égoïstes. La personne à qui je m'adresse est ici. Simba 100 $ matin. Simba 100 $ matin. Rapidement. Nazana posa moi nzambe moko. Atala lobino non, je suis touché, mais je n'ai pas 100 $ ici. Mais je dois quand même envoyer ça même par un compte. Tu viens voir les protocoles qui sont ici devant. Le bureau est là, bien organisé. Tu leur donnes ton numéro. Ou bien ils vous passent le numéro d'un compte dans lequel tu peux verser. Parce que tu vas me dire, mais prophète, naza nambongo awate, mais ça n'a compte. Tu peux faire le transfert de Manila. Nana posa mutumo kwa sali lanzambe transfert ya Maniwana. Soki RTL Mani, soki Orange Mani, soki osali lanzambe transfert juste au talo lobino. Nazo tala bisika na uta. Frère Mike Ayemba nzembo moko lobi nzamba lokotinga bisika oyo mituke le kakate. Que Dieu vous bénisse. Na quartier taxi le kakate. Bato taxi kutu ba boya kakokota pona mabulu. C'est de là. Ah, bipa yoloko tanga kolo yesu mote mananga moko témoin. Ton cœur, zoa rétroviseur a vu no tala lobby. Regarde 10 ans avant. Est-ce que bakoka yoza la ki pena mobali ya bakota la boy? T'es tout la vérité. 5 ans avant, oza ki pena mwasi ya otelemi batali boy. Il y a un Dieu quelque part. Est-ce que moi, dans un moment, à côté, je m'appelle sans amener une offrande de 50 $? Télé-moi rapidement. 50 $. 50 $. Télé-moi rapidement. N'a commis la posa koyoka docteur Louvois. Parce que c'est par lui que Dieu est passé pour nous parler. Oui, mais ça n'a pas été koyoka nzambe. Kasi a kitati. Nzamba leki nanzela moto. Et bon, on a kosi. Moi, je suis au bon Dieu, je 50 dollars. Téléma rapidement. Téléma rapidement. Attaque Zate, je suis mais je compte Zali. Oye kopé sa combo. Téléma rapidement. 50 $, 30 $, 20 $. Téléma rapidement. 50 $, 30 $, 20 $. Téléma rapidement. Téléma rapidement, tolingi toyo kaliloba na nzambe, mais na nzela ya une bouche autorisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tikana ebisayo, je vais vous dire une autre vérité de la Bible. Bana na nzambe na basali na nzambe toloba nanu amena bien. Te bana na nzambe na basali na nzambe toloba nanu amena bien.
Botu nanganin. Soki dans ta vie nzamba sala yongolu ya komona $50 avec facilité. Papa Mike. Un jour nzamba telemi a sengi $50 obimisi 20 opesi. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut tout simplement signifier que nzambe niveau tienga eleki likolo makasi. Kiti sanga na niveau bato a 20. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nenge tozana bino bo nzamba yebi ke X azana capacité comme on a mbongo autant. Y azana capacité comme on a mbongo autant. Et lokoko kamu singa ezana équipe moko e banda na mboka oyo na mona tochielango offrande na kati ya stade. Na kosi? Ba yebi saka yo nzamba pambola yo. Nana posa mwa na nzambe moko telema aya opesa nzambe offrande à $10 telema rapidement $10 o telemi penza oyeko pesa nzambe $10 telema mbangu mbangu telema yako pesa nzambe $10 viens donner à Dieu tes $10. Ata soke zana franc. Est-ce que to zana nazana posa membre moko ya bureau hein? Membre moko ya bureau a s'occuper na papa. Yakana $10 rapidement. Oui papa. Yakana $10 ezana dollar ezana franc. Et puis et là, mon question, mon alingakate, ça la retourne à $10, on a franc combien ou? Parce que elle est kinzambe na yote. Loba, tombola na loboko loba, elle est kinzambe na ngate. Loba na numbongo, elle est kinzambe na ngate. Est-ce que tu crois ça? Si go simba $5, 10 000 francs, toque un peu rapide. $5, 10 000 francs. $5, 10 000 francs. $5, 10 000 francs. Oyebi, na banzembo nyonso. Basa na nzambe bayemba. Eza na nzembo moko. So yina lingi na priye. So yina zo luka banzembo ya evangeliste matu na lingi na priye. Na luka ka nzembo moko. Oyebi nzembo ni. Mongongo na yo. Yango yo na kuto saka. Etinda vina yo nzambe. Yango yo na kosimba. Habi bon. Ebe zana batu mususu, mokili soki, pourquoi mokili nabiso ekana kakokunda ka batu amalam? Me zana batu mususu atabo sali efor ya kokunda akunda makate. Kula pambo labiso. Yakana 10 000 francs, yakana $5, ya ope sanzambe, yaka rapidement. Telema rapidement. Si y a un panier à côté de toi, tia $5, tia 10 000 francs na panier wana. Soke zaka kalibo soa, leka rapidement. Les cas un peu rapidement. Ba défenseur ba zelanga mélodie na yeba kakoyemba te mais il faut boyo kaka biso ba toyeba oyemba te to linga koyemba makazi. Boyeba te. Ba to bayeba kakoyemba te. Ba lula koyemba koyoka ata na douche. Et pa na yeba orgam na ba dieze tali yete. Si vous tournez un peu en bas, vous pouvez vous offrir. Tozo gangaga na pamba gabo. Simba 10 000 francs, simba 5 000 francs, yaka rapidement. 10 000 francs, 5 000 francs, téléma rapidement. Téléma mbang mbang. Bien aimé, ne reste pas là où tu es. Je ne sais pas comment on koyo ka bien, comment classer. Papa, pèse en affa. La vite se va bien en gobongo. Pèse en affa. Na ebite komo kondima omi klase na list ya bato babanga ka nzambe te. Ba rekonetra ka pe bola mwa nzambe te. So kinga nazali hoyo nazalelo ezapo ya zala yende ya zali singa
Nayena mekolo futa nyongwa Olamu na ye Yoshua Nanzela lo yembo nanga sokipe na koko kanzambe Olamu sale linga nzambe tumbori masanjoli nangai Esko ko simba 5000 francs O simbi 3000 francs O simbi 2000 francs Telema rapidement Telema mbangu mbangu Nana deux requêtes moko il faut na sambela nayo Faut na sambela nayo parce que je suis un prophète Je dois prier avec quelqu'un et il me reste juste 5 minutes Simba ka 2000 francs Il me reste 5 minutes et je vais quitter la chair Mes minutes sont déjà épuisées. Ouais. Yakobo Nzela Nzambe, yaka rapidement. 5000 francs, 3000 francs, 2000 francs. Il y a d'autres paniers dans la foule? Ok. Si tu as un panier, tu as un panier. Si tu as un panier, tu as un Thank you. Dans un peu. Je ne vais pas avoir le problème avec l'organisation. Je vais prier avec une seule personne. Moutounyo soazana sal a. Soko yebi koza vivant. Oza moutouabo moui. Salali elogo na zoebisal. J'étais en prière. Dieu m'a parlé que makambu batouba banga kananou octobre, novembre, na décembre. Yambalo yko salemana août, na septembre. Moni baliwa bo banga kana septembre wana. Na décembre wana. Yambalo yko ekozala avant. Et puis. Bato bachaka tembe na prophétie ce bazana carnet bakoma vous verrez des choses na, dans les deux mois moi otozana moi oizoya vous verrez des choses surprenantes parce que le monde des ténèbres s'est levé mais yo mutoye na oyesika dans cette fête de la parole je veux que Dieu te protège je veux que tu te tiennes debout na lingio tele malikolo je vais prier avec toi A topé sa offrande, a topé sa offrande, te simbaka ka 1000 francs dans le boko. Simbaka 1000 francs dans le boko. Opé sa offrande, opé sa kite, c'est pas mon problème. Mais tu touches seulement 1000 francs dans la main. Soko moni mutoaza pembe ni na yo, aza nangote, et que yozana possibilité pe sa ye. Tombola yango likolo. Soulève ça. Soulève ça. Je vais faire avec toi cette déclaration de la part du Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Je le déclare par le sang précieux de Jésus-Christ. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je n'ai pas droit et je n'ai pas de place à l'hôpital. Je n'ai pas de place à la pharmacie. Rien ne viendra m'arrêter la vie d'une manière brusque. Rien que ce que Dieu a dit va se réaliser dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dépose ça dans le panier qui est à côté de toi. Même si tu avais 500 francs, viens déposer. Et pour ce soir, que le roi des gloires vous bénisse. Acclame le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu. Approche rapidement avec ton offrande et dépose-le dans le panier. Gloire au Seigneur. Hey.
Est-ce que tu peux balancer ta main et saluer la présence de notre ami fidèle Jésus-Christ que nous célébrons ce soir dans cette fête de la parole? Alongola kangai elongi na se alinga kate na fanda na susi moninga nanga ya tango nyonso tu. Je sens sa présence, il est là. Alongola kangai, elongi na se. Alinga kate na fana na susi. Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu. L'ami fidèle de tous les temps. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Oyanga ya tango nyonso tu. Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu. Soki alobi wi, nani akoloba no. Soki alobi no, nani akoloba wi. Abongisa nyonso po esengo nanga ezalaki na tango nyonso tu. Oh, moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Yesu moninga nanga. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Moninga nanga ya tango nyonso. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Oya nga ya tango nyonso. Ata na kufili baboti. Chamotema nanga epana Yesu e. Ata minganga bakomyo bwakanga. Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu. Ata na kati ya maladi. Chamotema nanga epana Yesu e. Ata zote komole nangai. Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu. Betela ye mololo. Est-ce qu'on peut beta mololo pona Yesu? Matisse di maso milolo na yo pona moninga malamo. Oya kaya motema. Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu. Moninga nanga ya tango nyonso tu. Yeah, yebi papa si nanga nyonso. Betela ye mololo, 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 mololo. Est-ce que tu peux acclamer l'ami fidèle de tous les temps, celui que nous sommes venus célébrer dans cette grande fête de la parole, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. À lui soit toute la gloire pour cette grande célébration. Lorsque nous allons recevoir un éminent homme de Dieu, le bishop Mapasa Baolimo, lorsqu'il approche, nous acclamons le Seigneur avec beaucoup de chaleur. Nous recevons l'évêque Mapasa Baolimo qui a un mot à nous adresser. Lorsqu'il approche, nous acclamons vraiment le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.
Shalom, bien-aimé. Est-ce qu'on peut donner une très bonne ovation à notre Dieu? Nous sommes maboko, yamakelele na milolo pon encore na biso. Il y a une phrase que j'ai dit souvent. Lorsque nous voulons faire quelque chose pour Dieu, nous devons le faire correctement et mieux. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, que ce soit des acclamations, des cris de joie, les alléluia, il y a toujours une bénédiction qui est derrière. Si on vous demande d'acclamer le Seigneur, faites-le correctement. Avant que je ne passe à autre chose, je voulais demander à tous les enfants de Dieu, les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle, de s'élever et de donner une très bonne acclamation à notre Seigneur. Voilà. 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 Restez sur tes plaies avec beaucoup de respect. Si vous pouvez rester debout pendant 3 minutes, je voudrais faire quelque chose de très très important. Le docteur Louvaé Kaola qui nous invite ce soir. Vient de mettre sur pied des nouveaux livres. J'ai la charge d'abord de dédier ces 2 livres. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 livres. Qui pour moi sont comme des jumeaux. Et moi-même, je suis jumeau. C'est extraordinaire. Quelle coïncidence. Et ce qui est très grave, je suis pour ces jumeaux le grand-père. Parce que c'est depuis 1987. Alors que je suis allé prêcher à Kasangulu, le candidat de l'examen d'État qui était à Maki. C'est là que se trouvait un garçon très merveilleux. À chaque fois, quand je le vois, je suis dans la joie. Parce que c'est le fruit de mon ministère. Je l'ai conduit en Christ. Et il est resté debout jusqu'à aujourd'hui. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu par de bonnes acclamations. Selon les coutumes de la Bible, dans les jours de la dédicace, on doit donner les noms à l'enfant. Le premier enfant s'appelle Beraka. Acclamons le Seigneur. Le deuxième, Dieu peut tout faire, sauf s'adorer lui-même. Quel genre de thème et de titre? Ça ne peut sortir que de la bouche d'un docteur. Ce qui est dédié est consacré. Est mis à part. Et au jour d'aujourd'hui, c'est 2 livres. Recevront l'impactation. Ils vont s'imposer dans le monde des livres. Et la gloire de Dieu va s'éclater. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Élevez vos deux mains ici. Père, Tata,
Je reconnais mon identité avec toi. Nous formons la même personne. Mm-hmm. Ma bouche, c'est ta bouche. Monoko nangeza monoko na yo. Mes paroles, elles sont les vôtres. Maloba nanga ezali ya yo. Je me tiens ici comme ton apôtre. Na telemi aloko antoma na yo. Et j'asperge le sang de Jésus ce livre. Bongo na sopeli babuko makila na Yesu. Je le dédie à toi, ô Dieu. Na bonti yango epai na yo nzambe. Qu'à la date d'aujourd'hui, ko banda lelo. Se délivre comme moi sont des jumeaux. Babuko loko nanga eza mapasa. Seront des bêtes salaires. Ils vont s'imposer à l'Amazon. Ils vont s'imposer à l'Amazon. Dans des bibliothèques. Dans la bibliothèque. Ils vont s'imposer partout. Et les écritures qui sont ici pères finiront à affecter, à faire du bien aux gens qui vont lire. Dieu peut tout faire sauf s'adorer lui-même. Soyez bénis ce soir. Beraka, sois bénis ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Allez de l'avant. Impactez les vies. Réussis. Touchez des milliers de personnes dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec foi. Ceux qui sont venus ce soir disent avec moi plus fort: merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Trois fois amen. Allons-y. Amen. 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 Alléluia. Peux vous asseoir. Bruno Vanda. Je n'aurais pas abusé de votre temps. Na kozwa tango mingi te. Je voudrais juste faire quelque chose de très très spécial. Parce que ça fait partie de notre programme aujourd'hui. Quand vous lisez dans nos panneaux, il y a un problème d'abord de la parole. Selon les thèmes que vous connaissez, il y a aussi la vente des livres. Soyez calme et suivez-moi. Lisez avec moi 2 Rois chapitre 4. Vous voulez juste donner une pensée et puis nous allons passer à l'essentiel. Je fais la lecture. À partir du verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Un vase d'huile. Et il dit: va. Kende. Écoutez bien ici. Demande au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleines. Alors, elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, il versait l'huile. Lorsque les vases furent pleins, écoutez, c'est issu à ma pensée. Il dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Écoutez ce qui m'a beaucoup dérangé toute l'après-midi d'aujourd'hui. Il n'y a plus de vase. Et après avoir fait sortir de la bouche cette phrase, l'huile s'arrêta. Avec beaucoup de respect, est-ce que vous pouvez répondre cette parole derrière moi en disant: et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Un peu plus fort que ça, s'il te plaît. Et l'huile s'arrêta. Cette histoire, vous la connaissez très bien.
Je ne suis pas venu prêcher sur ça. Et vous connaissez l'opération de ce miracle manifesté dans le ministère de prophète Élisée. Ce qui m'a beaucoup touché. Le vase communiqua avec l'huile. La femme continue à faire le travail. À partir du vase communicant, ce vase qui contenait, n'est-ce pas, de l'huile, et pendant qu'il continue à faire son travail, il demande à ses fils, donne-moi encore des vases. Et le fils dira, il n'y a plus de vases. Et la Bible ajoute, parce qu'il n'y a plus de vases, l'huile complète après moi, s'arrête. C'est-à-dire, cette huile ne pouvait pas s'arrêter. Mais cette huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait pas de vase. Je déclare ici comme un oint de Dieu. L'huile qui a commencé à couler dans la vie de Louva et Kaola. Qui nous permet d'avoir ces livres. Je déclare que cela ne s'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Je dis encore que cela ne s'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Mais une bonne manière pour que cela ne s'arrête pas, il faudra à tout moment apporter du vase. Par faute de vase, l'huile s'arrêta. Et l'huile qui travaille dans la vie de cet homme de Dieu ne s'arrêtera pas. Et si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on peut prendre ne serait-ce que 30 secondes pour donner à Dieu une très bonne acclamation parce que l'huile ne s'arrêtera pas. L'huile ne s'arrêtera pas. Dans mon actif, j'ai connu beaucoup de chantres qui avaient commencé à composer bien les cantiques. Ils ont fait sortir leur premier album. Ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Le deuxième album n'arrive toujours pas. Par faute de vase, complète après moi, l'huile s'arrête. J'ai connu dans ma vie des équipes de football. Je peux parler de Mabouilou, Fesse Kalamu, Matongé, Dragon. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. Par faute de vase complété, l'huile s'arrête. J'ai connu les hommes organiser une première conférence, une deuxième conférence, et ça fait 10 ans. Troisième conférence ne vient toujours pas. Par faute de vase, l'huile s'arrête. Une dernière fois, lorsque je vais donner cette phrase, que les gens qui m'écoutent, qui croient au ministère que Dieu a donné à Louva et Kaola, vous allez vous lever par la puissance du nom de Jésus pour dire l'huile qui continue à couler dans la vie de cet homme ne s'arrêtera pas. Nous avons fait des cris de joie, des ovations. Lève-nous, célébrons des vôtres. Pas de bonnes acclamations. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Ce qui a commencé dans la vie de cet homme ne s'arrêtera pas. Son ministère d'écrivain ne s'arrêtera pas. Ce qui est en lui ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup. Et parce que ceci ne doit pas s'arrêter, il y a des vases que nous devons apporter. Il y a des vases que nous devons apporter. Quelqu'un peut m'aider ici? Nous étions à Maïsha Park. Avec l'archevêque Kankenza Mwanambo qui est là ce soir. J'avais tenu dans la main un livre comme ça.
Je dis, est-ce que dans la salle, on peut trouver un homme qui peut encourager l'archevêque. On achète ses livres, mais avec un prix spécial. Wow. J'ai vu quelqu'un s'élever. Il vient avec $5,000. Une deuxième personne, une troisième. Ils sont venus avec $2,500. Et quand nous sommes arrivés à $1,000, c'était des dizaines de personnes. En $100, ne parlons même pas. Ça, c'est ce que nous devons faire. Encourager les gens qui écrivent. Pourquoi? Par faute de vases, compléter haute voix, l'huile s'arrête. Nous sommes les dimanches. Pas plus tard que jeudi de cette semaine, j'étais au terrain GD. J'ai tenu un livre comme ça. J'ai vu un bien-aimé s'élever pour venir donner gloire à Dieu. Bénis le ministère de l'archevêque. Il a pris le livre à $2,500. J'ai vu les gens avec $1,000. $100, n'en parlons même pas. Mais ce soir, je voudrais que nous témoignions notre amour à celui que nous aimons tant. Une manière de dire, pour moi, ton huile ne s'arrêtera pas. Voici ma vase. Wow. Parce qu'avec le vase que nous allons lui donner, ça va permettre que l'huile qui est en lui puisse couler. Alors ce soir, est-ce qu'on peut trouver un homme ou une femme qui aime le ministère et qui aime aussi l'homme qu'on appelle Louva et Kaola? Peut s'élever et encourager son ministère. Une manière de lui dire, l'huile qui coule en toi ne s'arrêtera pas. Je suis là. Voici ma vase. Laisse que Dieu puisse parler à ton cœur. Je sais que nous tous, nous allons faire ça. Il est vrai qu'il y a un prix officiel pour ces livres. Mais je voudrais donner ici l'occasion aux hommes et aux femmes qui portent le docteur Louva dans leur cœur, qui peut lui apporter une semence de $10,000, de $5,000, de $2,000, de $1,000, de $1,000. Excellent fils de Dieu. Je voudrais te voir ici. Prendre dans mes mains ces deux livres. Et aller chez le docteur pour le paraphe. L'acte que vous posez aujourd'hui va donner gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des gens comme ça ici dans la salle qui peuvent encourager cet homme de Dieu. Et laisse que le Saint-Esprit puisse parler dans vos cœurs. Je n'aurai pas besoin de votre silence. Parce que très souvent, le silence intimide les gens. Mais je ne serai pas intimidé ce soir. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont ici. Ils vont ne pas voir dans la salle quelqu'un qui peut s'élever le premier. Peut-être que par 10 000, c'est à ta vase. Peut-être c'est 5 000, peut-être c'est $1,000. Lève-toi. $10,000, $5,000, je résiste besoin d'une première personne. Merci. Matondi. Merci. Tu peux le faire aujourd'hui, même demain. Matondi. $1,000. Acclamons le Seigneur. Ah non, mes amis, non. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Faisons ça bien encouragé. Passez, Mike. Je suis très content. Et aussi également
Je demande à mon Dieu de se souvenir de toi. Akanisayo. Nous avons besoin de toi. Nous en avons besoin de toi. Allez de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans la série de $1,000. On peut trouver, s'il te plaît, une deuxième personne. Merci. Acclamons le Seigneur. Oh non, acclamons le Seigneur. Maman, avec ces vases, l'huile va continuer à couler. Que mon Dieu te bénisse. Allez pour les paraphes. Je voudrais trouver une troisième personne. Oh mon Dieu. Je sens quelque chose ici. Une troisième personne. Qui peut s'élever pour dire. Docteur Louva, je t'aime. Docteur Louva, na linga kayo. J'apporte le vase. Pour que l'huile qui a commencé à couler. Ne s'arrête pas. Combien de personnes ont initié de bonnes choses. Mais ça n'a pas marché. Par faute de vase. Le vase, c'est le soutien. L'huile. Mafuta. C'est l'état là qu'on a reçu. Mais s'il n'y a pas de soutien. L'huile s'arrête. Mafuta. Je peux trouver quelqu'un avec $1,000. Soutenir ce ministère. Oh, papa archevêque, merci beaucoup. Acclamons pour notre papa archevêque à 15 ans. Mon archevêque, merci papa. Matondi papa. Je voudrais ici trouver une dernière personne qui peut bénir le docteur Louva. Docteur Louva. Encore une fois, pas $1,000. $1,000. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Je t'aime beaucoup, tu sais. Merci. Par faute des vases, complète à haute voix, l'huile s'arrête. Dieu n'a pas prévu que l'huile s'arrête. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vases. Quand on n'a pas le soutien, on ne peut pas aller loin. Peu importe le talent. Voilà pourquoi ma boule est disparue. Fais ce calame est disparu. Par faute de vases. L'huile s'arrête. Mais l'huile de Dr. Louva ne s'arrêtera pas. Est-ce que Dieu ne peut pas nous bénir dans la salle? Une cinquième personne qui peut encourager ce ministère avec $1,000. Tu es très spécial, tu seras très spécial pour vous. Une cinquième personne. Parce que ça doit donner la force. Est-ce qu'on peut trouver 10 personnes qui peuvent apporter ce vase au docteur Louva de $500? Je serais très content de vous voir. Si tu es là, lève-toi. Excellent fils de Dieu. Approche-toi chez moi ici. $500. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire ça? $500. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça les acclamations. Encouragez. Cet homme de Dieu qui est venu du Gabon, c'est notre compatriote qui est venu honorer l'archevêque. Et il a été une grande bénédiction pour nous. Même à Charismata, il continue à l'être. Prince, que mon Dieu te bénisse. Encouragez-les par de bonnes acclamations. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne vais pas trop compliquer là. Je demande une deuxième personne. Avec $500. Et quand la personne s'approche,
Celui qui permet à ce que l'huile qui est dans le docteur continue à couler. Acclamons le Seigneur. Et sabe que mon Dieu te bénisse. Allez de l'avant. C'est qu'un homme aura semé. Il moissonnera. À mon âge, je ne peux pas vous dire que parce que vous avez fait ça, voici ce que Dieu va faire. C'est du mensonge. Mais ce qui est sûr, à cause de l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu et la sémence que vous faites, Dieu se souviendra de toi. Encouragez-le par de bonnes acclamations. Je dis bien les bonnes acclamations. Est-ce que je peux trouver dans la salle un groupe de personnes qui vient comme des soldats pour dire au docteur Louva, nous sommes là. Ton huile ne s'arrêtera pas parce que nous sommes là. Un groupe de personnes, 20 ou 30 personnes qui peuvent venir prendre dans mes mains avec 100 $. Vous en avez cash, vous donnez. Tu vas faire demain, tu te fais signaler. Venez en groupe, s'il te plaît. Venez en groupe, s'il te plaît. Avant de vous donner, je voudrais d'abord voir un bonhomme déjà ici. Voilà, continue à venir. Il y a des enfants de Dieu dans la salle. Ils ont pris la résolution que l'huile qui a commencé à couler dans la vie du docteur Louva ne s'arrêtera pas parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. Nous apportons nos vases. Nous apportons nos vases pour que l'huile puisse continuer à couler. Et son huile ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, c'est 2 livres. L'année prochaine, ça sera 3 livres. Venez en groupe, venez en groupe. Je voudrais voir ici devant même 20 personnes avant de passer à la vente officielle. Oui, par faute de vase, l'huile s'arrêta. Venez, bien-aimés, venez. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Nous avons connu les cantiques merveilleux ici. Je n'ai pas de voix, malheureusement. J'entendais 2e album, 3e album. Ah. Par faute de vase, complétant de voix, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Vous avez des projets là. Mais les projets sont arrêtés. Par faute de vase. Est-ce que je peux trouver ceux qui peuvent venir acheter ce livre avec $50? Venez en groupe de 20 personnes. S'il te plaît. 20 personnes. Avant de passer à la vente officielle. Mais vous, vos livres doivent être paraffés par les docteurs. Merci. Sortez de partout, merci. Même derrière là-bas, les enfants de Dieu, de l'église de la Bible ouverte, venez encourager votre papa. Apportez vos vases ici. Parce que par faute des vases, l'huile complétée s'arrêta. C'était pour combien, apôtre? 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Merci. Vous pouvez donner directement. Il y a un panier. Si vous en avez directement, vous donnez. Mais sinon, c'est pour aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Léona Lobby. 100. Merci, vous en avez directement. Vous en avez la moko. Vous donnez. Merci, prophète. Merci. Pardonnez, papa. Pour 100. Merci, docteur. Merci, docteur. Allez donner l'argent là-bas, maman. Vous avez déjà les livres. Venez prendre l'argent ici, s'il te plaît. 100. Merci, papa. Merci. Merci. Venez prendre l'argent, s'il te plaît. Il y a un panier. Alors, allez, venez rapidement. Déposez-les ici, s'il te plaît. Merci. Voilà. Allez pour le paraffin. Le docteur est ici. Merci. Pour les sangs, rapidement. Donnez-moi d'abord le livre. 100. Merci. Il y a un panier qui est là. 100. Merci. Matondi. Il faut bien regarder le mélange. Hein. Merci, papa. Merci. Matondi, papa. Si vous ne donnez pas aujourd'hui, faites-vous signaler. Oh, l'homme de... On doit Belgique à ça. Ça va bénir Jean-Claude. Merci. Merci Jean-Claude. Très rapidement. Pour 100 ici. Merci maman. Merci.
Messieurs de Dieu. Si vous avez du cash, vous donnez. Sinon, alors, signalez au service. Comment vous comptez faire pour la remise aujourd'hui et jusqu'à demain. Ce n'est pas pour prendre une semaine. Merci. Merci. Homme de Dieu, merci. Si vous ne faites pas les cash, faites-vous signaler, s'il te plaît. J'avais déjà donné. Pour 50, merci. 50, merci. Vous donnez. Il y a un panier. Le panier est là, papa. Mon oui. Voilà. 50, vous avez donné? Non. Merci. Donnez, merci. Ah, d'accord. Merci. C'est déjà signé, il signe. Patientez un peu. Voilà. 50. Vous donnez directement? Mettez ça. Il y a mon oeil, papa, il y a mon oeil. Voilà. Merci. Il y a des gens, voilà. Merci. Que Dieu bénisse. 50, on a déjà pas la fin. Patriarche, il y a un alobaté papa aussi de Yoki. Il y a un paka. Il y a un assis de Yoki. Merci. Alors, voyez, chaque livre coûte $15. Livre comment $15. Le 2 fait $30. $30. Mais si vous avez besoin de tous les deux jumeaux. Nous vous donnons $25 au lieu de $30. $25, $30. Maintenant, je demande à tout le monde. Ce qu'on a signé, les livres sont déjà signés. Bah livre, bah si bah signé en haut. À $25 ou à $15, venez prendre. Na $25 ou $15, y aura besoin. Nous avons besoin de 100 personnes ce soir. On a posé à bateau. Comment n'a pas quoi le. Venez encourager le docteur Louva. Boya ko kembisa docteur Louva. Par faute de vase. Kozang ambeki. Complète à haute voix. L'huile s'arrête. Dieu n'a pas disposé que l'huile s'arrête. C'est tout, il était capable de faire des miracles même toute une année. Il a fallu tout simplement disposer des vases. L'huile, c'est la grâce d'écrivain que Dieu a donné à son serviteur. Le vase, c'est le soutien. Si nous lui apportons du soutien, son huile va commencer à couler. Maman, merci. Pour combien? Tante, donnez $10 ici. Merci, maman. Donnez-moi les couples. Maman, pour combien? 25. Merci, maman. Voilà un enfant de Dieu. Maman, pour combien? 25. Oh, tout le monde a besoin de jumeaux. Tout le monde a besoin de jumeaux. Côté, il y a un ticket à mon sous-nani. 25. Merci, papa. Déposez l'argent là, frère. 25. Déposez. Voilà, 25. Voilà. Zoba ma passe à Kenenabang. Koko yé moko ma passe à Zopambula. Zoa. Koko ma passe à Zopambula. Par faute de vase. Zambé Pambula, mon toiseau mirimire. Par faute de vase. L'huile s'arrêta. Vous avez donné $100? Merci. Ouais, ça, c'est déjà parfait, papa. Merci pour vous. Par faute de vase, l'huile s'arrêta. Banzembo kitoko, mais j'ai la bibliothèque pour ba vase zate. Maté à ba séminaire et belé, la bibliothèque pour ba vase zate. Au canard ba convention belé, mais année le kika go salite pour ba vase zate. Par faute de vase, complète haute voix, l'huile s'arrêta. Dieu n'a pas prévu que l'huile s'arrête. Nzambale yé ma foute e katana. C'est à cause de manque de vases. Ce que Dieu a commencé à faire dans la vie de Dr. Louvé Kaula que nous aimons continuera à couler, à couler, à couler. 25. As-tu déjà donné? Voilà.
Venez, venez, merci. Boya, boya, matondi. Venez. Boya. Venez. Boya. Merci, oui, c'est 25. Déposez là-bas, papa. C'est déjà paraffé, merci. Venez. Papa, que Dieu bénisse. Merci, déposez ici. 50, on va te, oui, on va te rembourser. Maman, 25. 30, on va vous remettre $5. Merci, maman, merci. Merci, maman, je suis très content. Recevez la main, maman. Venez, venez, maman, venez. Soyez bénis. Merci. Oui. Dernière personne, venez. Le livre porte la signature, docteur. Merci. Maman Jeanne. Tu donnes demain. Tu dois te signaler au service. Pour combien, maman? Ok, signale. Prends le numéro. Merci. Ceux qui sont prêts à faire même demain. Vous avez dit cash, venez. Vous voulez faire demain, venez. Venez, 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 donnez l'argent. Merci, maman. Merci. Venez. Boya. Venez. Boya. Est-ce qu'on peut trouver dans la salle des hommes et des femmes avec des promesses très sûres que demain vous allez faire ça? Venez recevoir. Venez prendre ça. Merci. Venez. 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 Merci. Venez. On a foi en vous. On vous connaît. Oui. Dégonangaï. Merci. Voilà. Ça, c'est le fou de Jésus. Moutouakala. Alléluia. Maman Yaka, Yaka, maman Yaka. Mon kaka. Choisissez. Mais ce sont des jumeaux. Tu veux seulement ça? Ok, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Merci, c'est bon. Hein? Trop sûr, donnez le numéro ici. Sûr, sûr. Quoi? Maman, demain, vous êtes sûr? Voilà, c'est déjà paraffé. Hein? Ah. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Ne bouge pas, garde ta place. Parce qu'à ce qui me concerne, je suis venu écouter et surtout comprendre la différence qui existe ou qui existera entre l'aveuglement des bâtiments et celui de Satan qui est un esprit. Ce service est fini. Soyez relax. Vraiment relax. Je demande à l'organisation de nous appeler un merveilleux fils de Dieu qui peut nous emballer avant d'écouter la parole, frère. Avant d'écouter la parole. On lit à papa. Bongisari Boumou. Mais poulou poulou et joyote. Bongisari Boumou. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Le bishop a oublié sa serviette, s'il peut récupérer. Merci, papa. Gloire à Dieu. Nous aimerions bien entrer encore dans une forte atmosphère d'adoration, mais nous faisons tellement la course à la montre parce que le timing prévu ne va pas peut-être nous permettre pour cela parce que nous avons déjà hâte d'écouter l'orateur de ce soir, l'hôte de la fête de la parole. Et dans peu de temps, nous allons le recevoir, mais je ne suis pas mieux placé pour le faire. Il y a un excellent homme de Dieu qui est prévu pour le faire, pour recevoir l'hôte et l'orateur de ce soir. Lorsque je fais venir sur cette estrade
le révérend docteur apôtre Jean-Pierre Ziani Bepi, lorsqu'il avance, nous recevons l'homme de Dieu avec des acclamations. Acclamons le Seigneur lorsque le docteur Jean-Pierre Ziani approche. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour moi de présenter l'orateur de ce soir. Vous savez, en devenant chrétien et en lisant la parole de Dieu, en écoutant des prédications, je me suis rendu compte comme si les meilleures prédications que nous entendons développent notre estomac spirituel. Amen. Et à un certain niveau, quand notre estomac spirituel est développé, il y a des bouches qui peuvent nous nourrir et il y a des bouches qui ne peuvent plus nous nourrir. Et partout où je voyage, partout où j'arrive, Dieu m'a fait grâce de parler toujours des orateurs que je connais de mon pays. Et je laisse toujours la liberté à ces personnes-là de les inviter ou pas, parce qu'ils sont libres. Amen. Hein? Amen. Hein? Et parmi les personnes que je recommande et je dis qu'on doit écouter absolument, il y a l'homme que Dieu a oint ce soir pour nous apporter la parole de Dieu. Je nomme le docteur Louva Ekaola que j'invite sur cette estrade pour nous révéler l'oracle du Seigneur Jésus-Christ. Il est parmi les rares personnes qui arrivent à nourrir mon estomac. Alors, je vous dis, préparez vos estomacs parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Matonde Borigovanda. Vous êtes tellement apprécié pour nous. Bozapena motuya makasi pona biso. Merci de répondre encore à notre deuxième invitation. Parce que la plupart d'entre vous, vous étiez avec nous dans la salle Congo Loisir. Si on peut m'accompagner quelque part avec une note de la musique, ça me ferait quelque chose de bien. Il est vrai que nous courons derrière le temps. Et si on peut m'accompagner juste par une note de musique. Nous voulons sincèrement vous remercier de votre présence encore ce soir pour répondre à l'invitation que nous vous avons adressée. Et je vais demander à l'évangéliste Matou Samuel de me chanter la chanson là que j'avais commandée. Il y a une chanson là que j'avais commandée. Je ne peux pas passer à la parole sans pour autant vous accueillir selon vos titres et qualités. J'avais pensé le faire moi-même. Mais la liste m'a été dressée par mon équipe. Mais comprenez-moi, si j'oublie quelqu'un, non, ce n'est pas que je le fais expressement. Peut-être que mon équipe n'a pas bien regardé les choses. Nous avons la grâce, la faveur de Dieu, de recevoir des éminents hommes de Dieu. Avoir un pasteur le dimanche après-midi, ce n'est pas chose facile. Mais je vais demander à tous les enfants de Dieu qui sont ici de m'aider à acclamer d'abord tous les pasteurs et tous les hommes de Dieu qui sont ici. Wow. 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 Et de manière spéciale, Jésus. De manière spéciale, dans le lingue que c'est ni,
De manière spéciale, nous allons accueillir ici l'archbishop Albert Kankins, notre papa qui est venu nous faire honneur. L'archbishop Albert Kankins, papa Nabiso, nous allons accueillir notre papa, le docteur Jean Bosco Kindomba, qui est ici au milieu de nous. Venant des États-Unis, nous voulons accueillir le bishop Daniel Kapepula. Papa n'est pas venu seul, elle est venue avec maman. Je ne sais pas si maman écoute les Français. Mais nous sommes dans la joie de l'accueillir. J'ai été chez eux à Maryland. À la maison, ils ont bien accueilli. Et c'est un plaisir pour moi de les revoir encore ici. Le bishop Kapepula, c'est un patriarche pour nous. Merci beaucoup. Nous voulons accueillir le bishop Mapasa. Wow, papa, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Je vais citer comme ça des noms, vous allez m'aider à acclamer le Seigneur. Le docteur Jean-Pierre Ndiani. Docteur Jean-Pierre Ndiani. L'apôtre majeur Alain Badianama. Apôtre majeur Alain Badianama. Le révérend prophète Boumoukrash qui est au milieu de nous. Boumoukrash. Le pasteur José Kabengele, je n'ai pas oublié. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Le bishop Mwepu, l'apôtre Miché, prophète Mira, je t'ai vu. Bishop Yedidia, le pasteur Mike Kalambay qui est là au milieu de nous. Beaucoup la radoteur parfait Bopey, qui est là au milieu de nous. L'apôtre Gédéon qui est là au milieu de nous. Mon ami de tous les temps, le pasteur Josué Moussouma. J'avais vu l'évêque Kajamar qui est ici. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète Kassar, je t'ai vu quelque part. Le pasteur Jérémie, je t'ai vu. Aidez-moi à acclamer le pasteur Blandine, notre pasteur de l'église de la Bible, votre Lubumbashi qui est là. Le prophète Samuel était venu depuis très longtemps, je l'ai vu, je ne sais pas s'il est déjà parti. Le prophète Samuel Rema aussi. Le pasteur Desi Kitoko. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Celui qui nous vient de très loin, du Gabon. L'homme de Dieu, le prophète Prince Congolo, vraiment. Merci beaucoup de venir. J'ai vu le pasteur Alexis quelque part ici. Je ne peux pas oublier, j'ai un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui me vient de Siaro. C'est l'apôtre Némi Mabengi. Vous levez, nous voulons vous accueillir. Vous venez de loin. Que Dieu vous bénisse. Je viens de chez lui là à Siaro. Et que Dieu vous bénisse. J'ai pas oublié le pasteur Patou qui est là. Je l'ai vu quelque part. J'ai vu quelque part le pasteur Patou de l'Angola. Je l'ai vu. Que j'ai vu de tous les temps, bienvenue, je t'ai vu. Faut pas penser que je t'ai pas vu. Alors, j'ai pas oublié les frères Michel Bakenda. Toi aussi, nous t'accueillons, non? Michel Bakenda. Est-ce que vous pouvez m'aider à vous lever et acclamer le Seigneur pour ces précieux hommes de Dieu qui sont là au milieu de nous? Acclamons le Seigneur pour leur présence. J'espère ne pas oublier quelques-uns d'entre vous. Si vraiment je vous ai oublié, excusez-moi et comprenez que vous êtes nombreux. Merci de vous remettre. Je vais demander à mon ami de tous les temps, mon Pangi, de nous amener dans cette chanson que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup prié pour cette chanson, ça fait un mois, et je lui ai demandé de chanter pour moi. Jésus. Jésus. Est-ce que ça va?
les vrais adorateurs. Jésus. Nabolingo na yo eh, namakasi na yo eh, iya ekango la gaga, iya ekango la gaga. Nabolingo na yo eh, namakasi na yo eh, iya ekango la gaga, iya ekango la gaga. Yo kangola ki Daniele, nalibu ya makosi, tapa ki talelo yo, iyo e kangola ga jesu. Yo longi sa ki Daniele, tatola sa zambe. Ce soir il est la lampe de Galilée. Jesu. Tatola. Nabolingo na yo eh, namakasi na yo eh, iyo e kango la gaga, Jesu, iyo e kango la gaga. Yo kango la ki Daniele, nalibolo ya makosi, papa ki talelo yo, iyo e kango la gaga. Mosusu te seyo, nabomo inanga kaka seyo. Mosusu te seyo, nabomo inanga kaka seyo. Na yebe te yo zali, ozali nanga monanga iyo zali. Na yebe te yo zali, iyo mosungi nanga. Nani oya ligi ya boma, banani baligi ba efase yo. Zambo ya koma kazania, Jesus. Tatola Jesus. Nani oya ligi ya boma, oyo zame ya koma ponanga. Nazali mo Kristo ya mo kanda Jesus. Na koma mana mo kana ya kolo tatola. La pasole bila mayan sotot. Oh Jésus. L'huile n'a s'arrêtera jamais. Et qu'on kata la tête à toi là. Azalanga mona yo. Jésus. C'est bon la tato là. Tato là. Tato là. Naye na sene kulusuna yo. Esika yo koma ponanga. Maboma mi ya bomo inanga, iya we kango langa tatola. Na ibi bila kaye pola kate, ata eumele kufa kate. Iya mama na yena sene kulusu, iya we kango langa tatola bila kaye pola kate. Na ibi bila kaye pola kate. Banani bali ba arrêté lui nayo eko katalate aussi longtemps attaché na ye bila ke pola kate. Est-ce que bonne la casa ya tatola tatola Jésus tatola Jésus na ye na kati ne kulu sunayo esika yo koma ponanga maboma mi ya bomo inanga iya we kamola Jésus. Na yebi bila kaye pola kate, ate umele kufa kate. Ya mamala yena sene kulusu, iya welo gisama. Sembola, ti ima de libranse o Jesi. Jésus, tu es ma victoire, oh Jésus. Mon sou te seyo, nabomo inanga kaka seyo. Mon
mosusu te seyo na bomo ina kaka seyo na yenge te yo zali uzali na mamo na ngaiyo zali na yenge te yo zali mosu gina kaka. Quelle onction. Et par quoi nini boye? Nous allons nous lever pour faire la lecture. Je suis dans le livre de Marc au chapitre 10. Tokotele mapona kosali tangi na zwami na mokana Malako chapitre 10. Pona koeba ko meme ali lobala nzambe na pokwa lelo. Ko banda verset 46 qui nous a 52. Marc chapitre 10 verset 46 qui nous a 52. Je t'écris ce qui suit. Et commis et comment mi boye te? Ils arrivèrent. Ba koma ki na Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, Petangu Yesu abimi, avec ses disciples et une assez grande foule, et longo na baye kolina epene tuluku na bato, fils de Timé, Bartimé mendia avec, moi nana Timé, Bartimé azaki lolanda, était assis au bord du chemin. Azalaki akovanda pembeni azela. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ayoka kete azalaki Yesu wa Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Akoma iko ganga Yesu mo na dabo. Le reprenait pour le faire taire. Et bela bana ko pekisa ye. Il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Kasi abane ko ganga makasi mo na dabo yo kelanga mawa. Jésus s'arrêta et dit. Yesu atelemaki pa lobi. Ils appelèrent l'aveugle. Bo benga epi ba bengi mo tololanda. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Na kolobana ete abengi oso makasi telema. L'aveugle jetant son manteau. Et se leva d'un bon vin vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Un dernier verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. La Bible dit ce qui suit. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car si l'use connaît, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons retourner dans nos places. Je crois tellement à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la parole. La parole n'est pas puissante parce qu'on en parle, mais la parole en elle-même dégage la puissance. Imaginez Dieu qui est tout puissant. Mais pour créer, il avait besoin de la parole. Dieu n'a pas créé comme étant créateur. Il a créé sur base de la parole. Imaginez Dieu qui est Alpha et Omega. Lorsque sa parole entre en jeu, Dieu devient derrière sa parole. Lui qui est Alpha. Mais quand sa parole entre en jeu, il est derrière sa parole. Il devient la sentinelle de sa parole. Le livre de Psaume au chapitre 133 verset 2. Dans sa version anglaise dit, Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ce soir, c'est cette parole qui va être célébrée. Faudrait que je dise à quelqu'un, c'est cette parole qui va être célébrée.
Et toi et les diables et les anges, vous êtes les produits de la parole. Alors lorsqu'on célèbre la parole, on doit être dans la joie. Pierre a travaillé toute la nuit. À un bon moment. Parce que la nuit, les poissons ne savent pas voir l'ombre du pêcheur. Par conséquent, ils ne peuvent pas fuir. Mais le matin, on l'a trouvé en train de laver le filet. Si que sa pêche n'était pas fructueuse. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Pierre, avance en plein nom. J'aime Pierre. Il était plus âgé que Jésus. Il connaissait la profession de la pêche que Jésus. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Ça veut dire que nous avons travaillé à un bon moment. Mais nous n'avons récolté aucun poisson. Mais suis ta parole. Je dis suis ta parole. Je suis plus âgé que toi. Mais la parole est plus âgée que moi. Alors suis ta parole. Mon Dieu, suis ta parole. Je jetterai le filet. Et ce qui est grave, en plein jour, au lieu que les poissons puissent fuir, les poissons sont venus se mobiliser. Là où il y avait la parole, je comprends très bien. Il y avait un signal. Tous les poissons dans la mer ont reçu le signal que celui qui les avait créés était orienté vers la profondeur des eaux. Et tout le monde est venu pour faire le salut au drapeau. C'est comme ça que tous les poissons se sont mobilisés là où il y avait la parole. Quand il y a la parole, tu ne peux pas échouer. Quand il y a la parole, tu ne peux pas être déçu. La parole ne déçoit personne. Quand tu commences avec Dieu, c'est quand tu commences avec la parole. Parce que Dieu lui-même a commencé avec la parole. Quand la parole commence avec toi comme alpha, le terminus ne sera que la gloire. Je parle de la parole. Et ce soir, en ce lieu, nous sommes venus célébrer la parole. On dirait que je parle à quelqu'un. Ce soir, en ce lieu, nous sommes venus célébrer la parole. Nous avons été créés par elle et nous sommes venus la célébrer. Parole, écoute-nous. Nous te célébrons ici à Chobès. Parole, écoute-nous. Nous te célébrons ici à Chobès. Parole, écoute-nous. Nous te célébrons ici à Chobès. Donnez-moi un amen bien. Hey. Je vais prêcher, ne vous en faites pas. Je vais prêcher. Sobro ya taboro santama. Kiria baba bro sokoto sabraya. Resha braya baba. Le diable. Diabolo. Était plus aveugle que Bartimée. On dirait que je parle à quelqu'un. Le diable Diabolo était plus aveugle que Bartimée. Première information, Dieu a la spécialité de rendre tes ennemis aveugles pour te permettre d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est la spécialité de Dieu. Il rend tes ennemis aveugles pour te permettre d'atteindre le but pour lequel il t'a créé. Première information, et cela est très important. Le diable est aveugle parce qu'il y a quelque chose, il y a certaines choses que Dieu fait qui lui échappent. Parce qu'il n'est pas omniscient. Le fait qu'il n'est pas omniscient, il y a certaines choses que Dieu fait qui lui échappent. Et à cause du fait qu'il ne maîtrise pas certaines choses que Dieu fait, par rapport à cela, il devient aveugle. Deuxième chose, le diable est le premier rebelle de l'histoire. Et comme il est le premier rebelle, c'est que il travaille sous un mandat de malédiction. Et dans Deutéronome 28, celui qui est maudit doit vivre une vie de tâtonnement. C'est comme ça que le diable ne peut que tâtonner dans tout ce qu'il fait. Mon Dieu.
On dirait que je parle à quelqu'un. Quand Dieu a maudit Caïn, il lui a dit que tu seras vagabond et errant. Mais la première personne à être maudit, c'est le diable. Il vit une vie de tâtonnement. C'est pourquoi cette année ne finira pas comme ça. Cette humiliation, c'est une élévation masquée. Cette honte, c'est une élévation masquée. On dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. Il se peut que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de dire. Dieu a la spécialité de rendre aveugle tes ennemis. Ça, c'est la particularité de Dieu. On dirait que je parle à quelqu'un. Bosso, gros santa. Le diable Diabolo était plus aveugle que Bartimée. Le diable Diabolo était plus aveugle que Bartimée. Lorsque Adam a péché, la Bible dit, Dieu ne l'a pas maudit. Mais il a maudit le serpent, il a maudit la terre. Mais Dieu a dit quelque chose. Je mettrai une inimitié. Le conflit avec le diable, c'est un conflit que Dieu a créé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu crée un conflit, il sait que l'issue sera de notre côté. Alors, dans cette perspective, Dieu est comme l'arbitre, mais qui siffle un match avec nos adversaires. Et quand l'arbitre est de votre côté, il peut prendre une touche qui se trouve au niveau des centres et siffler pénalty. Il dit, j'ai créé une inimitié entre la postérité et la femme et la postérité du serpent. Entre la femme et le serpent. Ma Bible dit ceci. La postérité de la femme, parce que de ça, c'est de cela qu'il s'agit, écrasera la tête du serpent. On ne dit pas qu'il écrasera les jambes. On le laissera courir. Il n'écrasera pas les mains. On le laissera travailler. Mais la partie qui est endommagée, c'est seulement la tête. Je suis curieux de me rendre compte que les yeux se trouvent au niveau de la tête. Donc, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je disais, je suis curieux de me rendre compte que les yeux se trouvent au niveau de la tête. Donc nous sommes en train de combattre avec un ennemi qui a une tête écrasée et la partie la plus intéressante. C'est un combat intéressant. Quelqu'un a des mains, a des jambes, mais il ne voit pas bien. On dirait que je parle à quelqu'un. Il a les jambes, il a les mains, mais il ne voit pas bien. C'est comme ça que je comprends. Les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, ils l'ont vendu auprès des Madianites et des Ismaélites qui sont allés les vendre auprès de Potiphar. Il y a quelque chose que je suis en train de découvrir. Ils venaient d'un puits et on les vend auprès de Potiphar. Potiphar l'amène auprès de, dans une prison, et dans la prison il va au palais, et au palais il rencontre Pharaon, et Pharaon fait de lui premier ministre. Je trouve une succession de paix. Il vient d'un puits. On le voit auprès de Potiphar. Potiphar, au travers de sa femme, l'amène en prison. Et dans la prison, il
il arrive au palais. Et au palais, il rencontre Pharaon. Et Pharaon fait de lui premier ministre. Le diable était avec. Le diable était avec. On lit que la haine de ses frères l'amène à l'écrasement de son rêve. Mais la haine de ses frères ouvre pour lui une autoroute qui amène son rêve à l'accomplissement. Je le déclare dans le nom de Jésus. Peu importe leur haine, là où ils te vendent, là où ils te critiquent, là où ils te déposent, c'est là où Dieu va ouvrir les portes de ta destinée. Je suis étonné de me rendre compte. Lorsqu'il a reçu les rêves, les rêves étaient constitués de gerbes. Oh, il était en Canaan. Canaan, c'est une terre désertique où on ne plante ne peuvent ça pas s'accomplir. Il suscite la haine des personnes qui sont à côté de toi afin qu'il soit une voiture qui t'amènera lentement et sûrement vers le terrain de l'accomplissement de tes promesses. Le diable est aveugle. Ah, diable a couvert mes sons. On dirait que j'ai sauté. Il reçoit les songes. Il voit la ligne, le soleil et les étoiles. Son père Jacob. Prophète qu'il était. Il dit. Alors, il veut que moi et ta mère. Et ceux qui étaient frères. Nous puissions nous procéder devant toi. Jacob, attention. Jacob, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ah, c'est quel genre d'interprétation? Mais en dehors de ça, en ce moment-là, la mère de Jacob est déjà morte. De Joseph est déjà mort. Jacob n'avait pas bien interprété les rêves. Quand il parlait du soleil, il parlait des rois. Il s'appelait roi soleil. Dont le nom s'appelait Pharaon. Quand il parlait de la lune, il parlait des astrologues qui étaient à côté de Pharaon, qui au travers de l'astre des astres essayaient de déterminer les temps et les époques. C'était juste pour lui indiquer l'endroit où il sera élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable est aveugle. Le diable est aveugle. Je dis le diable est aveugle. Je dis que le diable est aveugle. Là où il pense te coincer, c'est là où Dieu va t'élever. Là où il pense te minimiser, c'est là où Dieu va t'élever. Là où il pense te chosifier, c'est là où Dieu va t'élever. Et si tu crois ce que je dis, donne-moi un amen qui dépasse celui de ton voisin. Abednego, Shadrach et Meshach. Ils adoraient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Dans leur prière, c'était comme nous. Un jour, ils ont refusé. Ils se procédaient devant la statue. Les rois avec les conseillers ont décidé de chauffer la fournaise 7 fois. S'ils avaient chauffé 6 fois, Dieu allait envoyer des anges. Mais comme ils ont chauffé 7 fois, 7 est le chiffre de la plénitude. Dieu a dit, une fois que vous allez entrer dans la fournaise, je n'enverrai pas un ange. Moi-même, je descendrai. Ce qui était comme un cimetière est devenu comme une piste pour qu'ils puissent danser avec le quatrième homme. Le diable est avec. Le diable est avec. On dirait que je suis venu parler à quelqu'un ici. Je dis que le diable est avec. On est allé enterrer un enfant qui était fils unique. Sans oublier qu'il y avait un autre fils unique qui venait. Quand le fils unique du père rencontre le fils unique de la veuve, le fils unique du père a dit, il me ressemble. Il n'a pas touché l'enfant, il a touché seulement le cercueil. Et l'enfant
enfant qui était à l'intérieur a retrouvé la vie. Ce soir, quelque chose va se passer. Tu es venu ici pour rencontrer les miracles. Tu es venu ici pour vivre les signes naturels. Je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas comme tu es venu. J'aime le chiffre 8. Ça veut dire que la semaine vient de se terminer en 7 jours. Mais au 8e jour, on recommence, on redémarre la semaine. Le chiffre 8, c'est un chiffre de renouvellement. Dieu m'a dit de te dire, au travers de ce mois d'août, tu vivras la restauration. Tu vivras le renouvellement. Le diable est un menteur. Tu vivras la restauration. Tu vivras la renouvellement. Docteur, premier fait qui prouve que le diable était pris avec le Bartimée. Le diable est allé attaquer. Le diable a le fils de Timé. S'il avait attaqué n'importe quel fils à Jéricho, on allait le laisser libre. Comme il est venu attaquer Timé, le fils de Timé, on ne pouvait pas le laisser libre. S'il avait attaqué n'importe quel enfant, n'importe quel fils à Jéricho, le diable allait laisser la lèvre. Comme il est allé attaquer le fils de Timé, Dieu ne pouvait pas le laisser à l'aise. Jésus. Yes. Ne pouvait pas le laisser à l'aise. Alors, je commence maintenant ma révélation. Bartimée est l'image d'Adam. Asa est l'image d'Adam. Bartimée est l'image d'Adam. Asa est l'image d'Adam. De la même manière. L'olinge moko. Que Timé. Était Timé. Veut dire grand puissant. L'olinge moko nene benguya. Bartimée, fils de Timé, moi à Timé, devait aussi être à l'image de son père. Il devait être grand, puissant et honorable. Mais le diable est venu l'attaquer en tuant ses yeux. Et l'a placé au bord du chemin comme un mendiant. Comme Jésus avait la vision de rendre à Adam l'image de son père qui est Dieu qui l'avait perdu. Il faut savoir l'une des missions de Jésus sur la terre, c'était de rendre à l'homme l'image d'Adam qui l'avait perdu. Tu sais, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc L'homme, au départ, avait l'image d'Adam, de Dieu, avait la puissance de Dieu, mais à cause du péché, il est chassé hors du jardin. Timé, il était grand, son fils devait le ressembler, mais le diable est venu l'attaquer pour le placer au bord du chemin et pour faire de lui un mendiant. Jésus a dit ceci. À la croix, je dois ramener l'homme à retourner à l'image de Dieu. Et il sentait que les jours approchaient. C'est comme ça qu'il a dit. Avant aussi de sortir de Jéricho, mener Bartimée à retrouver l'image de Timée. Je dois faire que Bartimée retrouve l'image de Timée. C'est comme ça Jésus ne pouvait pas quitter cette ville. Écoutez-moi. Quand le diable a influencé, a envoûté les anges, Dieu n'a pas intervenu. Quand le diable a influencé les anges qui sont devenus des démons, Dieu n'a pas intervenu.
Mais lorsque le diable est venu toucher Adam, qui est à l'image de Dieu, Dieu était obligé de porter la chair. Pour que Adam retrouve l'image de son Dieu, de son père. C'est comme ça Jésus ne pouvait pas sortir de Jéricho sans rendre à Bartimée l'image de Timée. On dirait que je parle à quelqu'un. Sans rendre à Bartimée l'image de Timée. Deuxième erreur grave. Ah, yoka, libunga mi balé. Le diable était tellement aveugle. Il a placé Bartimée dans une ville qui s'appelait Jéricho. Parce qu'il se disait, comme Jéricho est maudit par Josué dans l'Ancien Testament, si je place Bartimée à Jéricho, il restera toute sa vie maudit. Mais ce qu'il oubliait, Jéricho et Jésus commencent toujours par la lettre J. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, peu importe là où tu vis, Jésus arrivera. Peu importe ce qu'on a fait de toi, peu importe la manière avec laquelle on t'a diabolisé, Jésus arrivera. Et cette année, il y aura un miracle à Jéricho. Il y aura un miracle à Jéricho. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois que tu seras la première personne qui expérimentera les miracles. Quelqu'un me dit, mais Josué, son nom signifie aussi salut. Oui, Josué, son nom signifie salut. Son nom signifie sauveur. Mais son problème, c'est qu'il a travaillé dans l'ancienne alliance. Jésus qui porte le même nom sauveur a béni Bartimée parce qu'il a travaillé dans la nouvelle alliance. C'est un problème de l'alliance. Troisième erreur. Moi, si j'étais, si par mes gardes, Satan m'avait recruté, embauché, comme son conseiller, j'allais lui dire de ne pas attaquer les yeux de Bartimée, mais d'attaquer ses oreilles. Si moi j'étais conseiller, j'allais lui dire, n'attaque pas les yeux de Bartimée. Il ne faut pas tuer les yeux de Bartimée, mais tue ses oreilles. Je suis en train de te dire, Dieu des fois il peut permettre à ce que le diable t'attaque, mais il n'attaquera pas quelque chose qui fait ta force. Il n'attaquera jamais quelque chose qui fait ta force. Si moi j'étais secrétaire du diable, j'allais lui dire, n'attaque pas les yeux, mais attaque les oreilles. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 7, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Même si tu attaques les oreilles, tu attaques les yeux, mais si tu laisses les oreilles écouter, tu n'as rien fait. Je suis venu te dire, ils ont dit qu'ils t'ont attaqué, mais regarde bien, ils n'ont pas touché à la partie stratégique de ta vie, au domaine stratégique de ta vie. Ils n'ont pas touché ce qui fait ta force. Oh Dieu, oh, je suis étonné. Dans Job, tel que la Bible nous le présente, il vient dire à Dieu, s'il peut toucher Job, donc Dieu donne des restrictions. Touche
Simba na yo, à sa santé, na nzoto na ye, à ses biens et à ses enfants, na bosupe bana na ye, mais pas à sa vie. Kasi na bomo na ete. Ce qui m'étonne, je sais que le diable c'est le plus impoli du monde. Ah, et lui, mais j'étais étonné comme vous. Kasi na yo, kamo lo kwa bino. Ce jour-là, il était le plus respectueux du monde. Mon kolo wana komagi moto atoli kolo kabato nyos. Il a respecté les limites que Dieu lui a données. Atosa ki na mondelon samba pesa ki. Et ces choses se passent dans l'Ancien Testament. Jésus n'est même pas encore. Kasi makamunga li kote kana boyoka na kala Yesu na ye kutete. Donc il y a des endroits Dieu a donné des limites au diable. Il y a des domaines que le diable ne peut pas passer outre. C'est la raison pour laquelle ton ministère va fleurir cette année. Ta vie va retrouver la bénédiction cette année. Peu importe ce qui a été fait, il n'a pas touché les domaines stratégiques de ta vie. Peu importe ce que le diable a opéré, il n'a pas touché les domaines stratégique de ta vie. Ce qui est grave. Ah, le diable. Diabolo. Quatrième erreur grave. Quatrième erreur. Diabolo. Au lieu seulement. N'est-ce qu'à cagater? De tuer les yeux de Bartimée. Yakobo maga miso Bartimée. Il les rend mendiants. A commissé mon tabi senga senga. Oh, en laissant Bartimée mendiant, ne bona kotika ga Bartimée koza bota bisenga tanga. Il aide Bartimée. Aye azo sunga Bartimée. À développer l'arme la plus fatale. Ah, aye ba ko développer arme mo kwa motuya. De se spécialiser à convaincre les gens par la demande. Ah, ya ko se spécialiser po aye ba ko convaincre ga Bartimée ba ko ya nzela ko senga. La première fois quand il a crié, on l'a pas écouté, mais il a crié encore plus fort. Ah, parce que ah, vous avez des problèmes avec un mendiant. Ah, si te demande à gauche, tu donnes pas, il demande à droite. Si demande à droite, il ne mange pas, il t'appelle mon pau. Si mon pau, il n'appelle pas, il t'appelle oncle. Si oncle, il ne t'écoute pas, il dit que Yonaza au salamoki. Ah, hey, hey, gravité. Ah, il y a mon nez en haut là. Gravité. Il y a mon nez en haut là. Ah, cinquième erreur. Ah, cinquième erreur. Qui prouve que Bartimée était avec. Ouais, son tel qui prouve que le diable. Ouais, t'as dit que tel c'était le diable ou était avec. Ah, c'est là qu'il montait à couper miso. En tuant les yeux de Bartimée. N'a comme moi miso Bartimée. Il se disait. A mis le baquette. Qu'il n'aura pas accès aux Écritures. A cause on ne l'a qu'on va compter à ma comité. Comme il n'aura pas accès aux Écritures. Le coup là, on ne l'a qu'on à ma comité. Il ne saura pas se relever. A coco, qu'on va compter le matin. Erreur grave. Ah, libunga ma casse. Il a oublié. A bon ça n'a qu'été. La foi ne vient pas de verser. Mais la foi vient de la révélation. C'est pourquoi Bartimée ne pouvait pas lire la Bible. Mais il pouvait avoir la révélation. Ton ennemi ne peut pas te vaincre. Je t'informe, même les sorciers de ta famille ne peuvent pas te vaincre. Même toute la famille associée ne peut pas t'enterrer. Le diable est un aveugle. Le diable est un aveugle. Regarde très bien. Il a laissé un domaine. Il a laissé quelque chose. Si tu utilises, tu vas te rétablir. Tu vas redémarrer. Je suis venu ici comme prophète de Dieu. Le grand millionnaire de ce pays est dans cette salle. La personne la plus bénie est dans cette salle. Le pasteur qui aura beaucoup plus de fidèles dans une église locale est dans cette salle. Et lorsque tu me donnes un amen, reçois cette bénédiction. Je dis reçois cette bénédiction. Le diable est avec. Même si tu n'as pas de fidèles, même si d'autres ont fui, laisse-moi te dire, le diable est avec. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. La Bible dit. On a tué ses yeux. On lui a laissé les oreilles. Et au travers des oreilles, il a entendu parler de Jésus qui passait. Et ce qui est grave, il a entendu parler de Jésus, mais il n'a pas crié Jésus. Ah, il a entendu parler de Jésus. Mais il n'a pas crié Jésus. Il a crié fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Je vais dire à quelqu'un ici. La prière n'est pas un problème de verset. La prière est un problème de révélation. C'est comme ça que Bartimée savait. Dans Ésaïe 35 et Ésaïe 42. Dieu avait dit. Lorsque un des
descendant de David viendra. Il ouvrira les yeux des aveugles. Bartimée qui n'avait pas accès au verset, mais il avait accès à la révélation. Tu sais pourquoi je suis content de toi? Tu peux ne pas connaître beaucoup de versets, mais ce qui est important, c'est la révélation. Tu peux ne pas connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, mais ce qui est important, c'est la révélation. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Pierre a reçu les clés des royaumes, ce n'est pas parce qu'il était apôtre, mais c'est parce qu'il avait la révélation. Je prie le Seigneur que cette année, à cause de la révélation que tu as, que tu puisses avancer dans la gloire, que tu puisses avancer dans la multiplication, que tu puisses avancer dans la bénédiction. Donne-moi un amen, mon Dieu. Amen, amen. Ce qui est grave. Bartimée a dit. Bartimée, fils de David. Moi, là, oui, aie pitié de moi. Yo, mais la version grecque ne parle pas comme ça. Yo, mon imbola, c'est un texte qui n'est pas bien très bien traduit. La version grecque dit ceci. Fils de David. Moi, là, oui, accorde-moi la grâce. Personne n'engolo. Et guéris-moi maintenant. C'est ça la version originale. Pourquoi il demandait la grâce? Parce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais guéri un aveugle. On a connu de Élie, de Moïse. Personne. Mon côté, c'est la raison pour laquelle Bartimée se rend compte que c'est un cas que Dieu ne peut pas guérir. Parce qu'il n'a jamais guéri ça dans l'Ancien Testament. Bartimée a recouru à la grâce. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, reçois la grâce de vivre ce que les autres n'ont jamais vécu. Reçois la grâce d'expérimenter des cas inimaginables. Reçois la grâce de vivre des bénédictions que personne dans votre famille n'a jamais vécu. Reçois la grâce d'atteindre des dimensions que personne d'autre n'a jamais vécu. Bartimée pour expérimenter ce que Dieu n'a jamais accompli. Il a touché Dieu sur le terrain de la grâce. Fils de David, accorde-moi la grâce maintenant. J'aimerais dire à une personne ici, tu seras guéri de ton sida à cause de la grâce. Le cancer là va disparaître ce soir à cause de la grâce. Ce mari là va revenir à cause de la grâce. On dirait que l'écrivain aux épîtres d'Hébreux a bien compris l'histoire de Bartimée. C'est pourquoi il dit, approchons-nous. Il ne va pas seul. Il nous appelle tout le monde. Bartimée avait vécu les miracles seul. L'Hébreux a dit, non, on t'a compris. On ne va pas aller seul. Il dit, approchons-nous du trône de la grâce. Ce soir, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce. Cette année, c'est ton année de bénédiction. Cette année, c'est ton année de gloire. J'ai dit aux gens qui t'ont minimisé que cette année, ils te reverront encore. Ils verront ton élévation. Ceux qui ont cherché t'enterrer, ils verront ta résurrection. Ceux qui t'ont déclassé, ils verront comment Dieu va te reclasser. Toutes les personnes qui t'ont oublié, ils verront comment Dieu va te relever. Et si tu me donnes un amen, je prie que la gloire arrive dans ta vie. Dites avec moi, prise aveugle. Prise aveugle. Dites avec moi, prise aveugle. Prise aveugle. Là où le diable était avec. Quand Bartimée a crié. Laissez-moi les laisser. Les apôtres ont commis l'erreur. C'est de reprendre Bartimée. C'est
Ce ne sont pas les voisins qui ont repris Bartimée. Mais ce sont les disciples qui ont repris Bartimée. Bartimée a compris. Bartimée, ce sont là qui étaient. Si tu vois Pierre, Jean et les autres, Jean et te reprendre. C'est qu'ils ont senti que tu es à côté du miracle. Ah, et ça peut être ma souci de vendre Pemen Yangolou. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Expliquez-moi. Comment Adam n'a jamais chassé ne fût-ce qu'un seul démon, mais les serpents qui incarnent le diable l'ont attaqué? Adam, oh, il a bien attendu mon attaque. Kassi Nyoka, oh, le diable a eu le contact avec les Azali Kobunsai. Il fallait d'abord qu'on attende. Et c'est là qu'il a voir comment Adam chasserait les démons. Adam n'a chassé aucun démon. Adam a bengala tête démon à mon côté. Mais le diable l'a attaqué au travers du serpent. Quand le diable a bondi sur Nzela, Yanyoka. Certaines attaques. Et ça n'a bitu ma misusu. T'aide à comprendre la véritable identité que tu as. Ah. Et ça lui consume yo yé balolenge kanyo yosali. C'est quand il a vu Pierre. Il le prend. Répète le kogang. Tu as compris. Ne batima sur la quête. C'est lui qui était la star de la ville. Ah. Yende mutlagi star yenguma mobimba. Mais on est attaqué les bourgmestres, ils viennent m'attaquer. Il a vu quelque chose que je n'ai pas vu. C'est comme ça que Bartimée criera encore fort. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vois le diable t'attaquer, c'est le moment où il faut crier encore fort. Quand tous les gens ne t'aiment pas, c'est le moment où il faut travailler encore fort. Quand tu vois des gens te critiquer alors que tu n'as rien commis comme erreur, c'est le moment où tu dois encore prier encore fort. Je vais leur dire, cette année, nous prierons, nous travaillerons et nous verrons la gloire de Dieu. C'est lui qui a le mandat de te tuer, n'est pas encore né. C'est lui qui a le mandat de t'éliminer, n'est pas encore né. C'est lui qui a le mandat de t'enterrer, n'est pas encore né. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Oh! Mais il y a quelque chose. Autrefois, quand je prêchais cette histoire, je disais, je prenais toujours les disciples comme l'image du diable et des démons qui attaquent. Non, j'ai bien lu cette histoire. J'avais mal interprété le verset. Pourquoi les disciples ont repris Bartimée? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Nakoloba. Pierre et les autres étaient la ceinture de Jésus. Bango bagi singa singa Yesu. Ils ont compris. Ba susu la gete. Comment Bartimée peut demander à Jésus d'accomplir dans sa vie un miracle que Dieu n'a jamais accompli? Ah, ya kokokisa. Bikama moko na bomo na yo nzambi na tikala kokokisa yango te. Ils se sont dit. Bango ba miloba ki boete. Il doit être envoyé. Esengeli na ba les pharisiens et les sadducéens. Tango musu batimi batinda ke ba pharisiens lokoba sadducéens. En fait, ils coincaient Jésus devant la foule. Bona koyeba kokoincer Yesu libo. Parce qu'ils étaient convaincus. Po bandimi sema ki. Que Jésus n'allait pas accomplir ce miracle. Et bikama na Yesu ba ko sala yango te. C'est comme ça qu'ils reprenaient Bartimée. Yango bande ko pekisa Bartimée. Afin que la grande foule ne puisse pas écouter ce qu'il demande. Po et tulu ko batu wana. C'était pour protéger Jésus qu'ils ont fermé la bouche à Bartimée. Il demande quelque chose que Dieu n'a jamais fait, quelque chose que Dieu ne fait pas. Donc il veut humilier Jésus. C'est comme ça que vous remarquerez. Quand Jésus s'arrête et il appelle Bartimée, écoute ce qu'il répond à Bartimée. Yoka makamebi si Bartimée. Lève-toi. Telema. Prends courage. Sois makasi. Il t'appelle. Asopenga yo. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Asa moto munakate. Mais pourquoi pas l'aider et l'amener auprès du maître? Kasi poni te ko soye ko sunga ko meme pa na Yesu. Pourquoi pas l'amener auprès du maître? Poni te ko meme pa molakisi. Il a été envoyé par les pharisiens. Ah, ye batine ke pa pharisiens. Lève-toi. Telema. Prends courage. Sois makasi. Et il t'appelle. Asopenga yo. Mais ce que moi j'aime chez Bartimée, même si tu te rends compte dans la vie qu'il n'y a personne qui veut t'aider, qui veut t'encourager, encourage-toi toi-même. Nous sommes dans une saison. Obo inga etalio.
Je vous rappelle, l'arbre devient grand dans la forêt sans encouragement. Je suis en train de vous rappeler. David a été sélectionné comme le grand chanteur jusqu'à s'introduire dans les palais royaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait au milieu des animaux qui ne pouvaient pas l'encourager. Il n'y avait ni offrande du prophète, il n'y avait ni acclamation, il n'y avait ni soit béni. Mais David, il savait s'encourager. Nous sommes dans une période. Même Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Sois ma casse. Pasteur Mike. Tu sais dans la vie, même si Dieu faisait l'élection aujourd'hui, il n'aura pas 100%. Zamba ni azo 100% va voter. Oh. Tu verras maintenant certains gars. Ils vont dire Bakoloba, il est net. Yemo kwazali, yaza net. Aza na katikati. On doit élire Dieu. Et c'est pour mais il y a des gens qui disent Bakoloba net. Ah, ye aza kunate. Il y aura même certaines personnes. Et on va battre mususu contre. Bakote le mela. Bakoboya. Si Dieu, il y a des gens qui ne peuvent pas croire en lui, laisse-moi t'aider. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Donne-moi un amen bien, non? Est-ce que là-bas on peut m'ajouter un amen bien? Écoute Jésus. Lève-toi. Prends ton lit. Lève-toi. Prends courage. Il t'appelle. C'est que Bartimée était assis. Et lui, il était en bas. Mais le premier message lorsque Jésus l'appelle, ça consiste à se lever. Et ça lui côté la magambe tali côté les mains. Dieu ne peut pas t'appeler et tu restes assis. Yo kanzamba ko iko bengo tu osa ko fanda. Je ne sais pas ce qui t'ont rendu assis. Mais imité miloko ne commission da ko fanda. Je ne sais pas les circonstances que tu es passé dans ta vie qui t'ont rendu assis. Mais imité makamoni ni angwe le kana bomo ne ngwa ko fanda. L'appel de Dieu c'est l'appel à être debout. Mais là ensemble da mbele ko tele. Reprends chante. Zonge la prière. Reprends prêche. Zonge la terre. Reprends évangélise. Zonge la terre ça va malamo. On dit on dirait que je parle à quelqu'un. Na moloko la ba moto moko. Adam avait des enfants. Adam a dit n'a pas mis parler. Caïn et Abel. Caïn est l'homme d'Abel. Caïn tue Abel. Caïn n'a pas mis Abel. Dieu maudit Caïn. Zambia laquelle Caïn n'a pas. Adam se retrouve sans enfants. Adam a dit comme si l'humanité était avait continué comme ça. Ceux qui m'ont on n'aurait pas de peuple, on n'aurait pas de continuité. Mais Adam a dit, malgré les erreurs, les déceptions que j'ai vécues, si je reste comme ça, personne ne parlera de notre histoire. Donc il faut qu'on puisse enfanter encore un enfant pour qu'il y ait continuité. La Bible dit, Adam connaît encore. Je suis venu te dire, nous sommes dans la saison où tu dois prier encore. Tu dois travailler encore. Tu dois chanter. Encore, si tu laisses, le monde va t'oublier. Si tu laisses, le monde va te radicaliser. Travaille encore. Et nous sommes vivants aujourd'hui. Oh, écoutez-moi bien. Oh, yo comment madame? Écoutez-moi bien. Yo comment madame? On dirait que je parle à quelqu'un. La Bible dit. Lorsqu'on a appelé Bartimée, il s'est levé. A télémaqué. Il a pris courage. A soi qui m'accasse. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la foi, tant la condima, tu dois avoir le courage. Et sous la m'accasse. La foi condima s'associe avec le courage. Ah, yangwe kangamana batu bakanzutu. Le courage. Kusa la manzutu. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Yangwe kubatenga bitumezate. Le courage c'est la capacité de résister, d'insister malgré le combat. Et c'est lima koki akwe bakote le makwe bakobunda atangu bitumba. Mais ce qui est intéressant. Kasi yo motu ya. Malgré qu'il était avec. Atangu aki okufa miso. Il est arrivé devant Jésus. Akoma kili boswa Yesu. C'est là où je comprends. Eza biska na sosoli. Là où il y a la vraie foi, il y a toujours la direction. Ah, bi pa ikondima solo ezali. Nzela na ngo pesa la ngaka. Quand tu vois quelqu'un s'arrêtait, sa foi n'était pas véritable. Quand tu vois quelqu'un s'arrêter, il n'avait pas le véritable appel. Là où il y a la vraie foi, il y a toujours la direction. Il arrive devant Jésus.
Vous savez ce qu'il fait? Il jette les manteaux. Il jette les manteaux. Ce qui m'étonne. Les manteaux représentaient son entrepôt, sa banque et son magasin. Quand il jette les manteaux, quel est le message qu'il lance? Je ne retrouverai plus la vie que j'avais. Il a confirmé son miracle avant que Jésus ne puisse le guérir. C'est ça la foi. Tu n'attends pas la guérison, mais tu le démontres. Tu n'attends pas l'élévation, mais tu le démontres. Tu n'attends pas la restauration, mais tu le démontres. Il m'a appelé. Comme il m'a appelé. Si il n'arrive pas à me guérir, ça sera sa honte. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est de m'appeler. Quand Jésus s'est rendu compte, j'ai connu des gars. Cet aveugle ici, il est terrible. Écoute Jésus. Que veux-tu que je fasse? Quand tu sens Dieu réagir comme ça, yoka, koloba boye, c'est que Eli koloba, ta foi l'a étonné. Ah, kondima oyo teli soa de kamusiye. Dieu ne Zambé réagit pas comme ça. Aloba kaboyete. C'est un comportement bizarre de Dieu. Ah, et ça, lo lingi moka kobika somo ya. Quand ta foi le coince, tango kondima na yo etie na esika moko songo le kosale passe. Que veux-tu que je fasse? Donc en ce moment-là, si Bartimée avait dit, je vais devenir Dieu, Jésus allait lui donner une partie de la divinité. Ah, yes, parce qu'on appelle ça question ouverte. C'est pas fermé. Question ouverte. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, quand ta foi dit oui, même Dieu ne dira pas non. Attends, à un certain moment, tu attends que Dieu accomplisse le miracle, alors que Dieu attend que tu actives la foi. Quand Bartimée a entendu, Judas aussi a entendu. Pierre lui a dit, et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il ne faut pas tout lui donner parce que c'est un spécialiste mendiant. Il risque de solder toute la caisse. Il faut arranger. Il faut lui donner ne plus que 20%. C'est un spécialiste mendiant. Tout le monde dans la foule attendait que Bartimée demande l'argent. Le diable est un aveugle. Première fois. Malaliboso. Bartimée ne demande pas l'argent. Asengi mbongote. Mais il demande la vie. Kasi asengi komona. Il y a des moments dans la vie où quand tu rencontres certaines personnes, tu dois changer de demande. Oyo soki okute na batolo lenge mususu, yo esengelo bongola babo senga na yo. Il y a un certain âge spirituel dans la vie. Quand tu rencontres certaines situations, tu dois changer les demandes. Bartimée, que je recouvre la vie. Il a demandé quelque chose que personne avant lui n'a demandé. Bartimée connaissait qu'il y avait des aveugles qui étaient aveugles, qui sont morts aveugles. Parce que Dieu ne guérissait pas les aveugles. Mais lui, à son tour, il a dit, je ne mourrai pas aveugle. Je vais demander à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je vais demander à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais réalisé. Si mon père est mort pauvre, moi je ne mourrai pas pauvre. Si dans mon quartier les aveugles sont morts aveugles, mais moi je ne mourrai pas aveugle. Si mes soeurs sont morts célibataires, moi je ne mourrai pas célibataire. Si dans ma famille personne n'a voyagé, mais moi je ne mourrai pas comme ça. Il a osé demander à Dieu quelque chose que Dieu n'a jamais fait. J'aimerais te demander de te lever. C'est l'esprit de cette demande ce soir. Alléluia. Nous nous sommes réunis ici. Nous allons oser
demander à Dieu quelque chose que Dieu n'a jamais fait dans nos vies, dans nos ministères, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, quelque chose que tu n'as jamais réalisé. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Tu m'as dit, je ne mourrai pas comme les aveugles de Capernaum. Moi, je demanderai la vie. Je ne mourrai pas comme les aveugles de Béthanie. Moi, je demanderai la vie. Il a demandé à Jésus que je recouvre la vie. Et Bartimée a reçu la vie. Lève-nous, s'il vous plaît. Élève les mains. Est-ce que tu es venu ici avec des situations compliquées? Est-ce que tu es venu ici avec des cas bizarres? Mais Dieu a programmé un miracle ce soir. Dieu a programmé quelque chose de grave ce soir dans ta vie. Quand tu marches avec une maladie, les médecins ont dit que c'est incurable. Tu es dans une situation où dans ton entourage, personne ne s'est relevé. Il y a des situations comme ça où personne dans ton entourage ne s'est relevé. Personne dans ton entourage ne s'est jamais marié. Personne dans ton entourage n'a jamais maintenu l'élévation et la stabilité. Mais ce soir, tu vas prier Dieu. Tu vas oser comme Bartimée. Tu vas oser comme Bartimée. Bartimée a dit, le passage de Jésus doit faire passer mon miracle. Le passage de Jésus doit faire passer mon miracle. Le passage de Jésus doit faire passer mon miracle. C'est comme ça que nous levons les mains, Seigneur. Nous levons les mains, Seigneur. Dieu m'a dit que ce soir, il guérira les malades. Frère Michel, je vais t'avoir. Papa Michel, rapidement pour quelques temps. Dieu m'a promis ce soir, il va guérir des malades. Il va libérer des cas. Ose demander à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais fait dans ton entourage. Ose demander à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais accompli dans ton sillage. Je vais me relever après tout ce qui s'est passé. Je vais palper au miracle que mes pères n'ont pas palpé. Je vais atteindre des millions, des milliards. Je ne resterai pas avec des millions. Ose demander à Dieu quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Et nous m'élever en signe d'humilité. Nous voulons dire à Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu es ministre de Dieu. Tu es apôtre, docteur, pasteur. Ose demander à Dieu. Qui a dit que toi tu finiras ta vie comme ça? Qui a dit que toi tu finiras ta vie comme ça? Qui a dit que ton ministère va garder ce même cap? Ose demander à Dieu quelque chose. Tu es passé au travers des vents. Tu es passé au travers des tempêtes. Les médecins t'ont dit que c'est fini. Cet homme qui t'a jeté, il t'a dit que c'est fini. Mais demandez à Dieu quelque chose. Je vis un signe. Dieu me parle de guérison. Deuxième chose que j'ai vue. Et c'est le roman Amoni. Sur la nuée. Dieu me dit, je vais te restaurer. Je vais te relever. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. La gloire qui arrive est plus grande que la première. Le chemin que je t'ouvre, ça sera l'anéantissement de tes ennemis qui te poursuivront. J'ai commencé à prêcher.
Je demande à chacun d'entre nous, si tu as senti que ce message te concerne, là où tu es, tu peux juste venir ici devant. J'ai ça dans mon cœur. Ce soir, on va pas rentrer seulement avec la parole. La parole doit devenir chère. Je sais pas si tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais Dieu est en train de me dire, c'est fini ce moment de galère, c'est fini ce moment d'humiliation. C'est fini ce moment où tu pries sans résultat. Quelque chose va se passer ici. Merci, merci. Je proclame la guérison miracle. Ce soir. Ce soir. Jésus. La gloire est ici. La gloire est ici. Je disais que la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Le diable est aveugle. Le diable est un aveugle. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ton ministère comme ça. Tu ne finiras pas ton ministère comme ça. Le diable ne triomphera pas sur toi. Le diable est aveugle. Nous avons nos mains levées. La gloire est ici. La gloire est ici. La gloire est ici. Bartimée, au bord du chemin, à la fin de son histoire, il a retrouvé le chemin. Tu retrouveras le chemin de la gloire. Tu retrouveras le chemin de la puissance. Tu retrouveras le chemin de la dignité. Tu retrouveras le chemin de la prière. Tu retrouveras le chemin de la crainte de Dieu. Tu retrouveras le chemin de l'élévation. Tu retrouveras le chemin du succès. Tout semblé, yes. Oui, allez, la la chambre. Quitte au salaire. La chambre, le diable est avec. Papa, quitte au salaire. Le diable est avec. Le diable est avec. Papa, quitte au salaire. Le diable est avec. Le diable est avec. Papa, quitte au salaire. Le diable est avec. Le diable est avec. Le diable est avec. Yakayo sala, yako sala, Yesu, yako sala, elombe yako sala, potangwe koki, papa yako sala, la gloire de Dieu là, Tiens son portable. Dieu m'a dit, il a tourné la page. Il a tourné la page. Tu as vécu une enfance difficile. C'est ce que Dieu est en train de me convaincre. Tu as vécu une vie compliquée. Tu ne sais même pas expliquer les gens. Il est arrivé des moments dans ta vie où tu ne savais même pas comment manger. Mais Dieu m'a dit, il a tourné la page. Le diable est avec. Sur toi se cache un grand leader. Un grand leader. Sur toi se cache un grand leader. Je vous assure que la gloire de Dieu est ici.
à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. La puissance de Dieu est ici. Aucune maladie ne peut résister. Aucune puissance ne peut résister. Aucune puissance ne peut résister. Je dis qu'aucune puissance ne saura résister ce soir. Ici, vous êtes à 5. Ici, vous êtes à 5. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Je vois une couronne. Une couronne en diamant. Entourée d'une couronne dorée. Dieu me dit, le choix qu'il a fait sur vous est réel. Il vous a envoyé ici pour vous dire, vous ferez le tour du monde. Vous ferez le tour du monde pour annoncer l'évangile de Jésus au travers des Amenez-les, je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est ici. Ce que je vis sur vous est très fort. Tenez-vous les mains, Vous ferez le tour du monde. Vous arriverez là où vos parents ne sont jamais arrivés. Dieu a vu la soif qui a sur vous par rapport à l'œuvre de Dieu. Je veux toucher les premiers. Et il y aura cette courant qui va s'attacher à vous seul. Et vous êtes cinq parce qu'il y a cinq continents. Et vous traverserez les cinq continents. Power, 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 power. Cinq. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. La chapeau. Dieu te sépare. Dieu te sépare de ce qui est ancien. Et il t'amène vers une nouvelle saison. Il te sépare de faux amis vers une nouvelle gloire. Il y a quelque chose que j'ai vu sur toi. Dieu est en train de te séparer. Je vis comme une mère qui souffre. Dieu me dit, il te sépare de faux amis. Il te sépare d'une nouvelle, de l'ancienne vie. Parce qu'il veut te revêtir. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Les gens de la salle nous disent qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Levez juste la main droite. Juste la main droite. C'est vendredi, c'est jeudi, vendredi et dimanche. Vendredi, jeudi, vendredi, dimanche.
Nous aurons un séminaire chez nous. On va parler sur les jubilés. C'est trois jours de liberté. Je vous invite tous à venir. On sera avec l'apôtre Némi qui est là. Qui peut monter ici. Un homme merveilleux, un homme de miracles. Et on sera avec l'apôtre Pyrénée qui sont venus des États-Unis. Lève la main. J'aimerais que Dieu te laisse avec un souvenir. Juste un souvenir. Ça veut dire qu'à chaque moment qu'on se rencontrera, que tu me dises, je t'ai fait part. Et Dieu m'a donné un enfant. Je t'ai fait part. Et Dieu m'a restauré. Je t'ai fait part. Et Dieu m'a relevé. Le diable était un aveugle. Tout le complot là contre toi, ça va coïncider à ton élévation. Le diable est un aveugle. Même tes ennemis ne voient pas tout. Il y a une partie que Dieu les cache. C'est pourquoi ils seront surpris des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. La gloire de Dieu. Regardez la gloire. Regardez la dimension de la gloire qui est. Regardez la dimension de la gloire de Dieu. Regardez la dimension de la. Il y a une soif. Il y a la force à mon corps. Je verrai juste que tu demandes à Dieu une chose. Je serai dans la joie. Si Dieu t'accorde, t'apporte, ne fût-ce qu'une chose. Je te donne juste 2 minutes. Prie le Seigneur. Bon de la colo. Une chose. Si tu as besoin de la promotion, demande juste une chose. Une chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons prier. Une chose que tu vas demander à Dieu. Je ne sais pas si tu vas lever les mains, si tu vas t'agenouiller. Mais demande-moi à Dieu une chose. Et il va te l'accorder. Je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons prier. Deux. Mon fils, viens. Moi, la femme. Dieu me dit, il va amener une croissance terrible dans ton église. Et dans moins d'une année, il va t'ouvrir des grands portes de voyage. Tu vois des partenaires venir te déposer des millions. Dieu va te donner l'argent pour acheter les équipements. Et les instruments. C'est ce que Dieu m'a dit. Et d'ici peu de temps, Dieu va te donner une parcelle afin que tu les sers. J'ai vu qu'on est en train de t'envelopper de quelque chose qui priait. Dieu m'a dit, c'est sa saison de visibilité, c'est sa saison de gloire. Et je crois que Dieu me permet de t'imposer les mains. Yes, voilà. Soups. Maintenant, à partir de 3, nous allons prier. Bartimé a crié. Et nous allons crier. Nous allons crier. Une seule chose que tu vas demander à Dieu. Tu dis à Dieu, fais-moi grâce comme tu as fait à Bartimé. Accorde-moi quelque chose que beaucoup n'ont pas reçu. Accorde-moi quelque chose que même mes anciens parents n'ont pas reçu. Prions le Seigneur. Allez, crions devant Dieu. Nayabi Ozali. Olo Elika ya basantu nyoso Yesu Motema epona
Alléluia, Jésus. Si cela ne vous dérange pas, je vais nous demander tous de nous mettre debout. Et d'élever nos mains à moitié. Et je vais prier le Seigneur. Alléluia. Partout où le nom de Jésus est proclamé, le Saint-Esprit vient pour le glorifier. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Et j'ai béni le Saint-Esprit pour d'avoir glorifié Christ maintenant. Père, au nom de Jésus, je me tiens ici pour sceller cette parole qui a été déclarée. Au ciel, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Sous la terre, tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Ton trône est élevé au-dessus de tout trône. Tu règnes d'âge en âge. Ta parole est la vérité. Tout ce que nous désirons est dans ta parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à Dieu. Dieu les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Ce soir, tu as envoyé ta parole. Ta parole est restaurée. Ta parole est guérie. Ta parole est transforme. Ta parole est récréée. Père, que l'on sache que toi tu es Dieu. Seigneur, merci d'élever une nouvelle saison de témoignages. Merci éternel Dieu d'élever cette grande armée de la dernière heure pour la gloire de ton nom. Père, merci de libérer cette onction éternelle, mon Dieu. Cette onction des sous-matériels, cette onction des transformations. Je crois du fond de mon cœur qu'au travers de la parole qui était déclarée, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Le ciel est d'accord. Le ciel est d'accord. Parce que le ciel est d'accord, nous croyons et nous déclarons que cela est scellé. Et nous croyons à l'accomplissement dans le nom de Jésus. À partir de ce soir, que les miracles commencent. À partir de ce soir, que les témoignages je commence à partir de ce soir, que les portes fermées s'ouvrent. À partir de ce soir, que les montants les plus élevés soient aplanis. À partir de ce soir, que les dossiers oubliés soient rappelés. À partir de ce soir, que les relations brisées soient restaurées. À partir de ce soir, que la joie qui était partie, que la joie revienne dans le nom de Jésus. Père, merci. Reçois gloire et honneur. Nous anéantissons la puissance de l'ennemi. Cette parole ne sera jamais volée dans le cœur de ton peuple. Cette parole reste gravée et scellée par le sang de Jésus. Seigneur, tu as amené ce peuple dans la joie. Tu vas les ramener dans la joie également. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Dieu le médaille, Seigneur. Ma tonne bing balinga mi katsan kolo. Pendant que nous sommes debout parce qu'on est déjà à la fin. Lo tonne toza ko tele ma poto rum de la souka. Je vais demander au pasteur Mike d'avancer. Na ko singa na mobate pate Mike pour sans liboso. Je voulais seulement qu'il avance. Na ni kara pour sans liboso. Amen. Amen.
Et je vais demander à papa Jean Bosco de venir aussi. Pena ko singa na papa Jean Bosco ya pelo kola. Tu m'as dit que vous devriez clôturer ce moment de prière, papa. C'est comme ça que j'ai demandé à tout le monde de se lever. Quand papa est là, nous ne pouvons pas sortir sans sa prière de clôture. Le pasteur, l'apôtre Némi Mabengi présente son livre ce samedi ici. Ça sera où? Samedi Oyo. À la Cité Verte. Et il y a des invitations qui sont ici, les hommes de Dieu. C'est un grand homme de Dieu qui fait un grand travail à Seattle, aux États-Unis. Je pense que le pasteur Mac le connaît. Nous serons dans la joie de vous voir. Il y a des invitations qui sont ici. Je vous demande de donner ça au protocole. Pour que tous les hommes de Dieu soient là. Et nous serons dans la joie de vous voir. Nous donnons le micro à papa. Nzambe ba te la kanga pe ne pe ne Yesu. Poetenga naka nisa kufana moko onji sanjola 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 una e Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la vie du docteur Louvois et Kaola. Ces précieux cadeaux que tu nous as donnés, ces précieux dons que tu nous as accordés, Seigneur, quel bonheur! Quel régal, Seigneur, écouter la parole que tu as déposée dans son cœur et qui sort au travers de sa bouche. Chaque jour, Seigneur, ton nom est élevé au travers de la prédication qui sort de sa bouche, Seigneur, et tu nous éclaires toujours pour nous positionner, nous montrer ce que nous sommes en toi et ce que notre ennemi le diable est. Seigneur, merci parce que nous avons compris que le diable n'est pas omniscient. Ce qu'il croit bien faire, mais c'est toi qui saisis l'occasion et qui tire l'épingle de jeu. Amen. Merci pour la révélation. Merci pour ton peuple qui est venu dans cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, il plaise au Seigneur de nous accorder la grâce, sa faveur, comme il a fait dans la vie de Bartimé. Oh Dieu, merci pour cette semaine nouvelle que tu nous donnes, cette semaine de la restauration où nous allons plus reprendre les choses anciennes, où nous allons expérimenter des grandes choses. Aucun obstacle sur notre route. Peuple de Dieu, qu'il plaise au Père de tourner son regard vers vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse d'une manière scandaleuse, et qu'il bénisse particulièrement le docteur Louvois et ce qu'il accomplit. Que Dieu te garde encore plus longtemps, mon fils, et que Dieu te donne encore des révélations. Ensemble avec toi, nous allons fêter la parole. Grâce
grâce, Golou. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin et à la clôture de la fête de la parole, mais merci à Daddy Jean Bosco Kindomba pour la prière de la clôture. Nous avons quelques communiqués ici. Demain lundi, il n'y a pas culte, c'est le communiqué qui concerne l'église La Bible Ouverte. Demain lundi, il n'y a pas culte, mais le jeudi, le vendredi et le dimanche, il y a un grand séminaire du jubilé dont les orateurs Il y a un grand séminaire sur le jubilé avec comme orateur le docteur Louva Ekaola, l'apôtre Mabengi des États-Unis ainsi que l'apôtre Pyrénées des États-Unis. L'adresse c'est Alemba Terminus, avenue Makongo numéro 31, référence terrain Mbungu. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation de la fête de la parole. À nous revoir à la prochaine édition où vous serez informés à travers les médias, à travers les chaînes. Que Dieu vous bénisse.